Bonsoir, comment vous allez bien? On va peindre. On va peindre du sexy. Sexy, hot. Alors, vous allez bien? Bonsoir tout le monde. Ce soir, ça va être chaud. Ça va être hot. Être excitant même. Bonsoir Marin Double. Bonsoir Ludic Family. Bonsoir Alain Meux. Bonsoir François Piqui. Bonsoir Johan Musso. Bonsoir Laurent Boucher. Merci pour le partage aussi, hein, pour ceux qui ont partagé. Hein. Et puis je vais reposter sur le Tipeee parce que j'ai eu des généreux tipeurs et il faut que je leur envoie un message de remerciement. Mais en ce moment, je suis surchargé de travail. Mais on va le faire, on va y arriver, on va y arriver. Donc je continue mes bonsoirs, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir ADC Models. Bonsoir le culte du dé. Oh, le culte du dé, j'adore. Salut. Culte du dé, si vous ne connaissez pas l'émission, allez voir absolument. Moi, tout le dimanche, c'est mon rituel. Le dimanche, j'attends avec impatience le poste. Donc c'est Frédéric. Le poste du culte du dé. Ça analyse les Kickstarter, la figurine, enfin pour tous ceux qui aiment la figurine, incontournable. Moi j'ai fait des découvertes de peintres, de sculpteurs, de Kickstarter, de belles figurines. C'est en plus en mode coolos, détente. Voilà, ça cherche pas à nous vendre, ça cherche pas à nous vendre la Lune et les Martiens. C'est voilà. C'est un pote qui vous parle de ce qu'il voit, de son hobby, de ce qu'il branche, de ce qui l'intéresse et qui vous fait partager tout ça. Donc surtout, n'hésitez pas. Et en plus, il a eu la gentillesse de parler de ma chaîne. Gros, gros big up, Fred, que j'ai croisé une fois. On s'est vu qu'une fois, malheureusement. Bon, après, on est loin. Hein, on est loin. Je suis dans le sud. Hein, je suis dans les pays soleil, quoi, tu vois. Donc, et comme il n'y a plus trop de conventions de figurines, hein, Covid oblige, bah, on se voit moins. Mais on s'est vu une fois. Mais belle rencontre. Belle rencontre. Et bonsoir, Vincent. Vincent, faut changer de nom. C'est pas possible. Kupchichek. Kupchichek. On ne comprend rien. Bonsoir, et voilà. Et voilà. Tiens, salut Fred du culte. Bah oui, on a une star, les gars. Parce que Fred du culte du dé, c'est autre chose que mes 1000 et quelques abonnés. Hein. Fred du culte du dé, on pète la barre des 10 000, je crois. Hein. Hein, c'est ça, hein. Je sais pas exactement, il pourra nous dire. En tout cas, allez-y, les gars, allez voir. C'est une chaîne topissime. Franchement, topissime. Alors, ce soir. On peint du hot, ce soir on peint du chaud, ce soir on peint du bouillant. Mais avant ça, petit point sur ce qu'on a fait la semaine dernière, pour ceux qui étaient là. Bon, alors j'ai fini de mon côté, hein, comme d'habitude, parce que si j'attends après vous, ça sort pas. Donc, petit Batman, sympa. C'était le Batman un peu version Frank Miller, vous voyez. On a essayé de partir du coup sur du bleu. Un bleu un peu cuir, c'est pour ça qu'on n'a pas éclairci le bleu de la même manière que le gris, hein, pour ceux qui sont attentifs, hein, qui sont attentifs à la texture, on en a parlé de la texture, les gars. On en a parlé. Donc ceux qui ne suivent pas, révisez. Voilà. La texture, donc très important, c'est ce qui permet, en fonction de la manière dont je travaille mes coups de pinceau, d'avoir un rendu un peu lissé, genre cuir satiné, vous voyez, comme le bleu de la cape là. Manière d'éclaircir aussi, bien évidemment, et aussi d'avoir un rendu un peu tissu. Vous voyez que c'est pas la même chose, c'est juste le travail de la couleur qui se fait différemment. Voilà, et bon, il me restait quoi? Il me restait le socle à faire, ça n'a pas pris 100 ans, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, hein, ces trucs texturés, parce que justement c'est texturé, donc renfort de brossage, de jus, et de reprise un peu d'arête par-ci, par-là, et c'est fait. Bon, le dessous est un peu moins bossé, ça va, ça va, ça va, calmez-vous, détendez-vous, détendez-vous, c'est le dessous. Hein, voilà. Petite trace de sang sur la bouchinette, voilà quoi. Beau petit Batman, sympa, qui n'est pas pour moi, qui est une commande peinture, hein, donc c'est pour un client. Donc il va rejoindre ben, d'autres Batman. Hein. J'en ai fait trois, j'avance doucement, enfin j'envoie un mail au client parce que je vais être à la bourre, je suis désolé pour lui. Je vais être à la bourre, je fais de mon mieux, mais je vais être à la bourre parce que j'ai beaucoup de travail. Ben, on va en parler ce soir, tiens, confidence. Ah, petite confidence. Ah, ouais.
Alors, je repose ça là parce qu'il ne s'agirait pas de l'esquinter maintenant qu'on l'a fait. Hein? Donc, commencer en stream, fini à la maison. Enfin, fini à la maison. En même temps, le stream, c'est aussi à la maison. Donc, commencer devant vous, fini devant moi tout seul. Et ce soir, on va peindre ça. Donc, je vais dire bonsoir aux nouveaux, tiens, qui viennent d'arriver. Bonsoir, 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 bonsoir. Le mec s'appelle Zoran et il critique. Je m'appelle pas juste Zoran Sketch, d'accord? Absolument pas. Non, non. Moi, Zoran, c'est très simple. Bon, mon nom de famille, c'est Vojkic. Vojkic, les gars. Ouais. Normalement, faut pas dire son nom, je crois, sur les réseaux sociaux, mais moi, je m'en fous, je crains rien. Et salut Benjamin Cortès, salut Benjamin Sautelet et salut voilà le Batman tout à fait très joli. Et ben écoute, merci à toi. Il est vraiment top. Et ben c'est très gentil à vous les gars. Alors musique, j'ai fait un petit réglage. Je pense que vous entendez pas grand-chose, c'est peut-être un peu faible là, la musique. Je l'ai monté un petit peu. Hello aussi des lions, bienvenue. Bon bah les copains, alors ce soir, on va s'attaquer donc à une créature à la fois très séductrice et aussi mortelle. J'ai bien entendu parlé de Clara Morgan, de Giorno. Attendez, comment ça s'appelle? On va regarder ça ensemble parce que alors là, les noms japonais, moi, sortie de sushi, voilà. Jorogumo, c'est elle. Je vais vous montrer. Alors j'ai essayé de trouver les artworks, j'en ai pas trouvé beaucoup. Hein. Donc on va s'inspirer un peu de ce qu'on a sur le dessin là. Donc, alors c'est normal, c'est écrit à l'envers pour vous parce que ma caméra filme à l'envers, figurez-vous, parce que ma caméra est à l'envers, donc j'inverse le sens de la caméra de manière à ce que vous voyez à l'endroit alors que moi je peins à l'endroit, même si c'est à l'envers. Vous avez compris l'histoire? Donc, Jorogumo. En plus, ça me permet de montrer des marques. On s'en fout, c'est à l'envers, avec YouTube, il peut pas me. Voilà, on s'en fout. Voilà, donc créature. Ce Jorogumo, it at the same time, terrifying and deceptive. Creatures, you know? Voilà. Donc, on va essayer de coller à ça. Alors, on va se le mettre un peu pas trop loin. Alors, on va coller à ça, pourquoi? Bah, parce que c'est ça, déjà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et puis, parce que c'est une commande. Donc, le client, il veut ça. Donc, on va faire ça. On va pas chercher 100 ans la vie des rats, hein, non plus. Donc, on va, comme d'habitude, faire ça ensemble. Je vais avancer normalement. Vous aurez tous les temps de séchage, le temps de peinture. Vous savez qu'ici, on ne vous la fait pas à l'envers, les gars. C'est du vrai. Et bon, c'est du vrai oui et non. Parce qu'après, quand on est chez soi, sans caméra, tout ça, on peut aller bien sûr beaucoup plus vite. Parce qu'on ne s'emmerde pas à tourner le truc dans tous les sens pour que les youtubeurs voient un peu ce qui se passe, tu vois. Et grosso merdo, voilà, on va se rapprocher de ça. Alors, je prends un peu plus de temps, évidemment, quand je fais les peintures devant vous, que quand je les fais des fois de mon côté. Je rush un petit peu plus. Alors, je rush quand le niveau de demandé de peinture permet le rush. Mais il y a des fois, si on commande des niveaux expo, là, le rush, sur les premières étapes peut-être, mais après, il y en a moins du rush, hein. Obligé. Mais bon, le but, voilà, c'est de pas vous épargner ces parties-là. C'est vrai que Fred le soulevait, donc Frédéric du culte du dé, et je sais plus qui d'autre qui m'en avait parlé, je crois que c'est Fred, peut-être je me trompe, je sais plus, mais enfin bref, qui me disait, bah finalement, c'est assez intéressant de voir parce qu'on voit ça, bah ouais, c'est 2 heures de vidéo, et puis finalement, des fois, en 2 heures, bah on n'a pas fini. Et ouais, on n'a pas fini parce que c'est pas monté, donc c'est la réalité, quoi. Voilà. Ta palette, tu peux la faire moi-même. Attends, je sais pas que j'aurais. Petite question. J'hésite entre deux cadeaux à me prendre pour mon anniversaire. Alors déjà, tu n'hésites pas entre deux cadeaux pour prendre pour ton anniversaire. Tu m'offres un truc, déjà, pour commencer. Voilà. Alors, vraiment, la question, elle est vite répondue. La semaine prochaine, entre une palette humide Army Painter ou des pinceaux d'Army Painter également. Perso, je pense que le chat va me suivre là-dessus. Moi, je te conseillerais plutôt les pinceaux. Parce que la palette, tu peux te la faire tout seul. C'est pas compliqué de faire une palette. Tu prends une boîte de chocolat rond bien connue que les femmes adorent. Les mecs aussi, hein, c'est assez sexiste de dire ça. Hein, j'en suis la preuve vivante. Hein. Je suis un petit peu gros parce que je bouffe du chocolat. Voilà, faut pas déconner. Et donc, quoi que j'ai un peu maigri. Hein, j'ai perdu 400 grammes pendant longtemps. Hein. Et 480. Voilà. Alors ça se voit, hein, regarde. Ça va bien. Tu la sens la fin là, regarde. Non, mais pour rien, quoi. Voilà. Donc tu prends cette boîte-là, tu bouffes les chocolats. Une fois que tu as bouffé les chocolats, ta boîte de chocolat rond d'une marque très connue dorée là,
Dans le fond de cette boîte, tu te prends des éponges que tu achètes n'importe où, tu te les découpes à la forme qui vont bien, tu mets de l'eau et tu te mets du papier sulfurisé, papier cuisson, tu as ta palette humide, tu as même le couvercle pour mettre dessus et tu balances ça en frais. Au frais, moi pourquoi j'ai ça? Déjà parce que c'est plus grand et que moi comme je peins beaucoup et que je m'étale, ben, j'ai besoin d'une grande palette humide. Et aussi parce que je l'ai pas payé. Sinon je serais la boîte de Rocher les gars. Et ça change rien. Voilà. Ça change franchement rien. Une vraie palette. Ouais, après, depuis que j'ai une vraie palette, je trouve un vrai confort quand même. Oui, bon, après, si t'as les ronds pour te prendre les deux, prends-toi les deux. Mais la palette. Prenez Nico Désé, par exemple, qui est un peintre français qui taquine grave. Il a une palette de merdouille. Hein. Une grosse éponge et terminée. Hein. Toi, tu fais ta cuisine avec. Lui, il fait des figurines d'un niveau stratosphérique. Chacun son occupation. Ok, Zoz a répondu plus vite. Bon, bah c'est normal, je parle. Moi, j'ai pas à taper. Vous, pour répondre, il faut taper, toi. Taper comme ça. Un peu comme Jean-Claude Van Damme, toi. Tu tapes pour répondre, moi, je parle. Je suis pour le dialogue. Merci beaucoup pour tes vidéos live. Je ne peux pas peindre quand je suis en mer, mais en regard. Mais si, il faut adapter le mouvement à la vague, c'est tout. Et oui, c'est vrai, ouais, je pense pas à ça, mais il y a des gars qui me regardent qui ne sont pas forcément sur Terre, qui sont dans l'eau, dans le ciel, peut-être même dans l'espace. J'avais l'impression, en regardant tes lives en rediff, même en pleine mer, j'avais l'impression. Ah, t'avais l'impression de peindre. Bah écoute, super. Bah écoute, si ça te fait cette impression-là, c'est top. Ouais. Alors, ma palette humide, c'est une boîte hermétique pour jambon. Bah tu vois, voilà, à la meue. Un linge éponge papier sulfurisé, tu peux mettre le couvercle et la ranger au frigo pour le lendemain. Tout à fait, parce que les peintures au frais, ça se garde longtemps, les gars. Alors, quand vous fermez votre palette, pensez à ne pas la fermer complètement. Pas complètement hermétique, c'est pas l'idéal. C'est d'ailleurs un peu le défaut des palettes pro, c'est que souvent ça ferme trop bien. Il faut toujours un petit peu d'air, parce que si vous n'avez pas un petit peu d'air, vous allez avoir de la condensation. Et du coup, les gouttes qui vont se former sur l'intérieur de votre couvercle vont retomber dans votre peinture. Un petit peu taquiner vos mélanges. Bon, c'est pas gravissime, hein, sincèrement. On s'en relève, on s'en remet, mais bon, voilà. Thierry Var, JBT a comme palette humide le fond d'une assiette avec les mêmes éponges que ses DVD qui datent. Bah voilà, tu vois. Et pourtant, on parle de JBT, Jérémy Bonamant Teboul, qui a un très 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 bon niveau. J'ai la fameuse boîte de chocolat rond, ça marche très bien. Voilà, Elisabeth, preuve vivante de la boîte de chocolat. Pour la palette, hein, pour le. Mais le Discord en parallèle, tu pourras parler à haute voix. Eh oui, c'est vrai. Alors, il faudrait que je mette un Discord en parallèle. Comme ça, vous pourriez me parler à haute voix, c'est ça? Je vais essayer de faire ça pour une prochaine fois, les gars. Là, ce soir, je ne vais pas le faire parce que si je me lance là-dessus, je me connais. Avec mon niveau d'informaticien, je vais faire planter le truc. Mais on va essayer de se faire ça. Et puis comme ça, bah, s'il y en a 2-3 qui sentent. Alors 2-3, ça peut être la cacophonie peut-être. Mais un ou deux, on le fera. Et de toute façon, j'ai l'intention de le faire parce qu'il faut. Alors, c'est 50 fois que je le dis, mais il faut que j'invite Girio sur mon live pour qu'on tape la discute. J'essaie de trouver un angle intéressant pour discuter avec vous. Que ce soit un peu freelance, mais pas trop quand même. Hein, que ce soit un peu des questions qui. Hein, un peu qui chafouinent. Hein, un peu des. Hein, de la question, quoi, de la vraie, tu vois. Pas de. Hein, t'aimes les raviolis? S'en fout. Quoique, pourquoi pas. Alors, bon, on y va là, parce que on blague, mais on n'avance pas beaucoup, hein. Elisabeth fait également ses photos avec la boîte de chocolat et une éponge. Mais oui, voilà, Elisabeth, si vous voulez aller voir, très très jolie photo, Elisabeth. Elle fait de magnifiques photos de voyages qu'elle réalise, je pense à titre perso, hein. Et c'est de la photo, voilà, c'est pas les photos c'est pas les photos de tes vacances, tu vois ce que je veux dire? C'est autre chose. Les photos de tes vacances que t'es le seul à pouvoir supporter et tout le monde s'en fout. Elle, non, tu vois, c'est des photos, c'est autre chose. Alors, si tu passes en Discord, demande à ce que chacun ait le push to take pour éviter d'entendre les. Ah, tu vois, voilà, rien que là, tu m'as perdu. Le push to take, là, voilà, c'est mort. Donc, il faut que j'étudie la question, mais oui. Ah, Chris est là. Bah oui, mec, je me disais, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas Chris ce soir. J'étais à deux doigts d'appeler les urgences. Enfin, la police. J'ai fait un stage avec Mathieu Lalin. Sa palette, c'était une boîte de CD. Voilà. Vous voyez, les meilleurs, ils ont des palettes de merde. C'est peut-être pour ça que je suis pas bon. En fait. Alors,
on est parti. On va commencer par... Alors, je vous rappelle, voilà, on a du rouge, on a du vert, et on a un peu du bleu. Bon, enfin, voilà. On va tourner autour de ça. Alors, je pense qu'on va commencer par faire la bébête. En fait, on va se poser les couleurs de base, et pour gagner du temps, comment qu'on va faire ? On va se poser les couleurs sur la palette et on va travailler tout ça un peu dans le frais. Je pense que c'est le mieux pour avancer vite. Alors, j'y me fous d'une base de rouge. Un rouge un peu flashouille, un peu pas mal. Un rouge un peu violet, un peu intéressant. Ça me plaît pas mal. Hein. On va prendre donc le rouge modèle color, celui-là. Cette espèce de rouge un peu violacé, ça me paraît intéressant. Il me faut une base de vert. Une base de vert qui se travaille bien, ni trop sombre, ni trop clair, parce que je pense qu'on va revenir bosser ça avec des jus derrière. On va mettre des jus sur Clara. On va l'appeler Clara, hein, bien sûr, hein, la figurine, tout le long du live, vous avez compris. On va mettre des jus sur Clara. Hein, donc, parce qu'il y a de la micro-texture sur cette figurine. Donc je pense que le jus va nous aider. Ce vert-là me paraît pas mal. Il n'est pas trop flashouille, cela dit. Mais en montant nos éclaircies vers du flashouille, ça va être pas mal. Alors, ce vert-là, peut-être un vert sombre aussi dans le teint. Voilà, hein, deux verts. Hein, on va se faire deux verts. Un rouge qu'on va ombrer avec un vert sombre. Bah tiens, notre vert sombre, il sera là. Alors, notre vert, celui-là, vous savez, il va nous servir pour ombrer notre vert et pour ombrer notre rouge. Hein. Voilà, on se fait une palette réduite. C'est bien les palettes réduites, ça permet... oui, l'utilisation de l'aéro pourrait être indiquée, mais on va tout faire au pinceau. Mais c'est vrai que l'aéro, oui. Alors après, l'aéro, je trouve que c'est pas très démonstrateur à la caméra. Enfin, voilà, c'est pas... Je préfère que vous voyez du coup de pinceau sur Clara Morgan. Je pense que c'est plus... sur Clara, Clara M. Clara, on va l'appeler juste Clara. Donc ça... elle a une petite ombrelle là, ça va se faire plutôt. Il y a du bleu. Un bleu un peu comme ça, là, ça me paraît pas mal ça. Hein, un bleu un peu comme ça pour faire les rubans, histoire de les distinguer un peu du reste. Une couleur un peu crème pourra à la fois servir d'éclaircie et faire notre éventail. On va partir là-dessus. Et peut-être le visage aussi qui est un peu blanc, un peu clair. Du blanc, du noir, hein, faut toujours un peu de blanc, un peu de noir sur une palette, ça sert toujours. D'accord. Éviter le noir brillant, évidemment, plutôt du noir mat. Voilà, je me suis racheté un là. Bon, voilà, je commence à avoir mes petites couleurs là. Et pour l'ombrelle, là, c'est une espèce de couleur un peu zarbounette. On dirait un truc comme ça là, qui tire vers le jaune. Je l'ai pas, donc je vais le faire. Donc on va prendre ça, qu'on va mélanger. Si je l'ai là, tiens, c'est ça. Ça ressemble un peu à ça là. Ça forme un uniforme japonais. En plus, on sera raccord. On peut pas se tromper en mettant de l'uniforme japonais comme couleur sur la figurine. On ne peut pas se tromper. Donc, inventaire. Uniforme japonais pour l'ombrelle. Du noir, parce qu'il faut toujours un peu de noir. De l'ivoire. Du blanc. Le blanc, vous savez que je m'en sers dans les derniers instants. Parce que le blanc n'étant pas une couleur, ça va casser un peu la couleur. Ça va affadir. Donc, on a utilisé avec parcimonie. Le noir aussi, mais le noir étant donné qu'on l'utilise... très peu, enfin voilà, noir et blanc, on les utilise très peu. C'est vraiment pour les dernières parties de nos ombrages et dernières parties de nos éclaircissements. Donc un vert, voilà, un Goblin Green de chez Citadel, un bleu, d'accord, azul, un bleu caribéen, n'est-ce pas, et voilà. Et ce rouge-là, voilà, ce rouge-là qui est un peu sympa. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se fait des petites boulettes sur la palette, d'accord, petites boulettes de peinture. Voilà. Allez, je me fais mes petites boulettes de peinture. Je ne suis jamais loin. Tiens, je vais lire un peu vos messages. Benjamin Cortez. Sinon, je peux me prendre les deux et en plus des matériaux pour les socles Army Painter ou des nouvelles couleurs pour faire les gemmes avec les couleurs Army Painter. Oh, t'es un bourgeois, quoi, Benjamin. Non, mais voilà, tu nous as posé la question pour faire genre je sais pas, j'hésite parce que moi, j'ai pas trop de thunes, le Corona, ça m'a mis dedans. Et puis en fait, là, tu prends tout, quoi. Voilà. Bravo. Bravo, Benjamin. Aucune volonté. Aucune volonté. Mais blague à part, une réalité, c'est que j'ai remarqué souvent que les mecs qui taquinaient le plus en peinture, ben, ils n'avaient pas un matos de dingue, hein, des fois. Franchement, hein, ils faisaient ça avec un peu avec ce qui leur tombait sous la main, et boum!
Alors, j'ai mis un peu de rouge, j'ai mis un peu de vert. Alors, ça va être intéressant, pourquoi? Parce que le but d'une palette humide, c'est aussi de s'amuser. Piocher dedans, mélanger. Tiens, j'ai du vert, du rouge, de l'ocre. Tiens, si je mélange un peu tout ça pour éclaircir, si je mélange un peu tout ça pour ombrer, qu'est-ce que ça donne? C'est intéressant d'avoir des palettes réduites, un peu. Alors, réduites, oui et non, parce que, en fait, finalement, on a plein de couleurs, mais c'est intéressant de mélanger ces couleurs-là. Voilà. Plus que la palette réduite, c'est le mélange qui est intéressant, je trouve. Donc, vous voyez, je me fais des boulettes un peu partout, voilà, de couleurs. Je vais vous montrer ce que mes boulettes donnent après. Voilà, donc je prépare le terrain avant d'attaquer Clara. Allez, une petite boulette par-ci, une petite boulette par-là. La musique pas trop fort, baisse un peu, hein. Voilà, baisse un peu. Un peu noir, il est beau ce noir, je viens de l'acheter, il est tout neuf, dis donc. Ah si, j'ai mon vert foncé là. Mon vert foncé, important, hein. Un vert foncé. J'ai peut-être collé un peu trop mes couleurs. Pas grave, écoutez. Voilà. Allez, on s'essuie un peu le pinceau, les gars. Tranquille. Bilou. Et puis on se fera aussi des shades, hein, je pense, hein, pour gagner du temps, pour aller chercher les micro-textures. D'accord? Parce que c'est des figurines, notamment là, vous voyez, sur le cul de la guéguêpe, là. De la guéguêpe, moi. Oh là là. Sur le cul du machin, là, de l'araignée. Il y a pas mal de micro-textures. Et puis, il y aura les visages aussi à faire. Hein. Les visages, on va partir sur quoi, les visages? J'ai oublié ça. J'ai oublié ça. Et puis, vous, même pas vous le relevez. Personne qui me dit, oh, t'as pas parlé des visages. Et des fois, c'est pas facile. Hein. Alors, visage. Ça, tiens, pas mal ça. Flayer de. Hein, couleur chair un peu blanchâtre, un peu palote. Un peu chair vampire, vous voyez? Un peu pas frais, quoi. Hein, un peu sorti de boîte à 5h du mat. Vous voyez, le genre de couleur chair, quoi. Voilà. Allez. Bon, là, on a un peu tout. Hein. On a même presque trop. Hein. On a plus que ce qu'il nous faut, là. Si j'ai pas mis de blanc, bon, c'est pas grave, le blanc je le mettrai pas, je m'en servirai vraiment plus tard. Allez, on va poser un peu des bases. Alors, vous voyez ce qu'on va faire, on va y aller dans le frais franco du collier. Alors comme d'hab, j'ai peut-être pas sélectionné une figurine qui était topissime à faire en live, je me rends compte maintenant, mais je me rends compte toujours moins une fois que c'est fait. Parce que c'est un peu gros peut-être, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. On va essayer bien de se caler pour que vous puissiez bien voir. Voilà, je vais monter un peu ça. Palette, voilà, je vous montre vite off. Voilà, palette, ça donne ça. C'est pas compliqué. Des bouboules. Et on va y aller. Allez, maintenant, je me mets là. Je me mets là. Voilà, le réglage se fait normalement pas mal. Alors, je vais prioriser les endroits difficiles d'accès. D'accord? Ça paraît logique. Parce que quand c'est compliqué à accéder, je le fais en premier. Parce que c'est plus facile après de venir recouvrir que d'aller chercher les endroits difficiles d'accès une fois que j'ai bien soigné mes endroits faciles d'accès. Vous avez compris l'histoire? Donc évidemment, mon vert foncé, je vais commencer à bosser avec ça. C'est tout vert son truc là? Ouais, c'est tout vert. Donc on va y aller, franc du collier. Donc vert foncé, je vais taper dans le creux là. Ouais. Donc je tape dans le creux de Clara à coup de vert foncé. Voilà. Ici, on l'a bien mérité. Voilà. De toute façon, il faudra vraisemblablement plusieurs passages. Voilà. Mon vert foncé va me servir à faire un peu tout ce qui peut être vert foncé. Ça va être quoi? Ça va être les parties en creux, hein, essentiellement. Hein, parties en creux, là. C'est vert foncé, ça aussi? Ouais, tout ça, c'est vert foncé. Allez, donc pour l'instant, vous voyez, je cherche pas trop à épargner les détails, les mains, les machins. Parce que si je commence à m'amuser à essayer de jongler autour de ces trucs-là, je perds un temps fou. Voilà. Je perds un temps fou et c'est pas le but. Donc, pour l'instant, je base. Je base, et je vois que mon costume vert, là, il va venir jusque-là, même. Alors, j'aurais peut-être dû faire le rouge avant. Je suis en train de m'en rendre compte. Vous voyez? On se rend compte de conneries, des fois, qu'on fait. Avec du vert clair, on va venir chercher ici, le vert clair. Et on va venir le mélanger dans notre vert foncé. C'est pas mal, ça. Le vert clair, il va se situer sur la partie supérieure, là, de notre gonzesse, ici, voilà, là, c'est toute la partie supérieure, ici, voilà, et puis notre vert foncé, bah, il va venir un peu en dessous, là, ombré, vous voyez,
Voilà. Ouais, ce qui est important, c'est d'être soigneux à ce stade. Vous voyez comme je suis soigneux? C'est important d'être soigneux là. Et puis après, bah écoutez, il y a un peu une espèce d'entre-deux là finalement qui se fait là. Tranquillement. Voilà. Allez. On est pas mal. Là, oh, tout ça, ça va être du vert clair. Hein. Tout ça, ça va être du vert clair. Là, un peu vert foncé parce qu'on a du creux. Je vais chercher du vert foncé ici. Reprise de mon vert clair là. Voilà, ici, là. Là, c'est pas mal. Là, voilà, mon vert clair qui revient un peu là. Ici, ici. Voilà, ici, c'est du clair aussi. Hein. C'est du clair parce que c'est un angle par rapport au zénithal qui prend la lumière. Et puis après, ça devient un petit peu plus foncé là par là. Voilà. C'est quoi là qui est au milieu? Bon, je crois que au milieu, ça s'arrête le costume. Voilà. Là, ici, tout ça, ça prend la lumière. Tout ça, ça prend la lumière. Ça aussi. Là. Tiens, l'ombrelle, elle va bien m'aider, l'ombrelle, pour faire le reste. Pour accéder au visage et tout ça. Ça, c'est un truc qui va être facile à peindre avec l'ombrelle devant. Hein? Bon choix, Zozo. De figurine à faire en stream. Et oui, et finalement, c'est des bons choix. Vous savez pourquoi? Parce que comme ça, ça vous montre que, ben, même quand une figurine a l'air compliquée, ah ben non, les gars. Non, les gars, il n'y a rien de compliqué. Rien de compliqué. Pour l'instant, vous voyez, je mets de la couleur. Pas compliqué, hein, je mets de la couleur. Quand c'est bas, c'est un peu sombre. Bon, là, c'est en bas. Bon, bah, c'est en bas. Allez, je mets du vert sombre. Donc, je pioche dans ma palette. Vous voyez, un peu du sombre, un peu du clair. Vous voyez, ici, là, oh, ça, c'est pas mal bas, ça. Hein? Oh là là, vous voyez, je vais chercher ces creux, là. Ils sont compliqués, là. Ils sont pas très visibles. Là, le tissu par là. Ouais, tout ça, c'est un peu bas, c'est sombre. Alors, ça m'intéresse en plus d'avoir du sombre vers le bas parce que globalement, je suis en train aussi à la fois de faire mon ombrage, mais en même temps de préparer la lecture de la figurine. Et la lecture de la figurine, ça va être d'amener la lumière vers le haut, vers les épaules, le buste, le visage, parce que c'est ces endroits-là qui sont intéressants à mettre en valeur dans une figurine, c'est le point focal, d'accord. Donc là, je me fais un petit intermédiaire entre mon vert gobelin et mon vert foncé là, qui était le vert Dark Angel, d'accord. Alors si vous n'avez pas vert gobelin, vert Dark Angel, on s'en fout, hein, on s'en tape l'arrêt, on s'en tape le coquillard. Vous prenez un vert clair, un vert foncé, ça ira très bien, hein, les copains. Là, je reviens avec un peu du vert clair ici, voilà. Là aussi. Tiens, là, ça faut pas le peindre. Vous voyez, j'ai peint, mais j'ai fait une bouletasse. Parce que, en fait, c'est un ruban qu'on va faire un peu bleu, ça, plutôt. Voilà. Là, retour du vert clair, parce qu'on a vraiment un volume qui vient prendre la lumière. Ici, vous voyez, il est perpendiculaire à la lumière. Donc, perpendiculaire à la lumière, vert clair. Là, il n'y a pas d'hésitation à voir. Là, c'est mon ruban qui va être bleu. Donc je peins, je déborde dessus, je m'en fous. Le but, c'est surtout que mes couches inférieures, c'est-à-dire les parties qui soient difficilement accessibles, elles soient traitées. Voilà, ma priorité, c'est ça. Mes parties basses peintes. Voilà la top priorité sur ma shopping list de peintre. Voilà, voilà, voilà. Là, je refais un petit tour et puis du coup... Les parties où je suis passé en tout premier ont commencé à sécher. Voilà. Donc je me permets d'être bourrin sur ces premières étapes. Et parce que ça va me faire gagner du temps. Et puis en plus, c'est les parties les plus importantes de la figurine. Celles qui se voient le plus. Donc, je rush ça et je prendrai plus de temps sur les parties plus petites. Qui demandent un peu de jongler avec le pinceau. Parce que si je commence à avoir un traitement... sur les petites parties trop soigneux, quand je vais, enfin, si je commence à avoir un traitement soigneux sur ces grosses parties-là, je perds un temps fou, quoi. Je perds un temps fou, et puis en plus, c'est en dessous. Donc non.
Et puis voilà, gardez à l'idée que ça, c'est une base. C'est-à-dire qu'on va en aucun cas en rester là. Donc vos bases, elles doivent uniquement servir à poser un peu les valeurs, quoi. Sombre, clair. Voilà, l'idée, c'est de poser des lumières, quoi. Vous voyez? Là, je suis en train de corriger mes lumières sur ce second passage. C'est-à-dire que sur ce second passage, là, je vais reconfirmer avec du vert clair là où je sais que ça va vraiment être vert clair. D'accord? Là, par exemple, là, ici. Vous voyez? Et je commence un peu à fondre. Vous voyez? En tapotant, tout ça. Je fonds un peu tous ces volumes-là. Voilà, mais je ne m'occupe pas des micro-volumes. D'accord? Les micro-volumes, c'est tous ces petits plis là dans la cape là. Non, je ne m'occupe pas là de ça. Pour l'instant, je raisonne de manière globale. D'accord? Sur le global, j'ai une lumière qui vient d'en haut. Donc je traite la lumière qui vient d'en haut de manière plus claire, le volume qui accroche la lumière. Là, vous voyez, c'est pareil, je raisonne en global, c'est-à-dire que tous ces petits plis là. Non, faut surtout pas s'en occuper maintenant. L'erreur d'ailleurs de pas mal de débutants, c'est de commencer à s'attarder sur ces choses-là. Aucun intérêt. Aucun intérêt, vous perdez du temps et puis surtout, vous perdez la vision générale de votre figurine. Là, pour l'instant, c'est comme si j'avançais comme un sculpteur, c'est-à-dire pour l'instant, j'ai une espèce de truc un peu informe comme ça, avec des volumes un peu bas, des volumes un peu hauts, mais les plis du costume, ils n'existent pas là. D'accord? Ils sont là, mais dans mon œil, je ne les considère pas. Je m'intéresse uniquement à la pose de lumière globale. Vous voyez là, là la lumière vient se poser, là, la lumière va se poser. Ah là, ça devient un peu plus bas, un peu moins exposé. Eh ben tiens, je prends mon intermédiaire et je commence à me faire mon petit mélange. Et puis là, ben, je reviens confirmer avec mon vert en remontant un peu dans le frais. Vous voyez, je travaille dans le frais. Ce travail-là dans le frais, il me sert aussi à gagner du temps. Voilà, j'ai mon dégradé petit à petit qui se fait. Vous voyez, vert clair, vert moyen, voilà. Et pour l'instant, je ne me suis pas intéressé du tout. Vous avez remarqué, pas une seule seconde, au micro-volume. Voilà. Donc vous oubliez ces micro-volumes. Je ne veux plus vous les regarder. Quand vous commencez à peindre, là, sur les premiers instants de peinture, vous y allez comme un bourrin, comme moi. Voilà, c'est un ordre. Voilà. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Commencez pas, ouais, mais moi, ma technique, on s'en fout de ta technique. C'est comme ça qu'il faut faire. Ok? Alors, vous regardez ce qu'il faut faire. Ah, moi, je suis trop autoritaire, les gars. Alors. Est-ce que vous voulez que je vous fasse part de ma vie perso là, un peu de mes nouvelles là, les trucs qui se passent dans ma life. Vous voulez un peu? Alors ok, j'ai décidé de changer de sexe. Mais non, bien évidemment, je rigole, c'est une blague. Et voilà. Et comment sur les réseaux sociaux créer le buzz? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors attendez, je finis ça, je me concentre parce que il faut quand même que. Putain, l'art de ménager le suspense. Il faut quand même que je fasse des transitions assez correctes. Voilà, parce que ma vie perso, c'est bien beau, mais vous êtes là pour voir de la peinture. Alors, la vie perso, c'est la peinture aussi. Bien évidemment. Vous avez compris. Vous n'êtes pas bête. Pas quoi, enfin, certains. C'est vrai que c'est pas des lumières. Je ne citerai pas les noms, mais. Alors, et le col là, faut pas l'oublier. Alors, vous voyez tous ces petits trucs là, ces petits volumes à la con là qu'on voit pas. Vous voyez bien, c'est clair ou pas? Ça fait une bonne mise au point. Vous me dites, hein. Vous me dites, ouais, c'est soit ce serait l'avantage d'avoir le son, comme disait notre collègue. C'est vrai qu'avec le son et en Discord, il y aura un mec qui pourrait me dire, oh, du con, on voit rien là. Ah, du con, et monsieur Zoz Studio, nous avons des difficultés à voir votre travail de peinture. Si vous pouviez un petit peu corriger le. Voilà. Ce serait plus ça. Hein. Avec une petite génuflexion, évidemment. Hein. Ça ne reste pas à moi, je suis pas n'importe qui. Zoz Studio, quoi. Alors. Hop, ça s'est fait, ça s'est. Alors, ça, oui, je me disais, c'est pas peint, mais c'est pas peint parce que ça va être bleu, ça. Voilà, donc on oublie ça. On l'oublie. Hein, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, on oublie. Alors, je lis un petit peu avant de vous annoncer des trucs. Et c'est juste des teintes qui changent. Les gammes color sont plus adaptées au fantastique. Enfin, il me semble pas avoir noté différence niveau texture. Ah, ça parlait peinture. Ouais, n'hésitez pas, hein, vous donner des tips. Hein, ça sert à ça aussi. Hein, vous balancez des infos, des tips, tout ça. Allez-y gaiement, les copains. Hein. D'accord? Il faut que ça vive. Faut que ça vive. Le point, il se fait quand même correctement. Ouais, ça va. John Museau, il pourrait peindre Clara en freehand sur l'ombrelle, ça ferait une belle mise en abîme. Pourquoi pas?
Et tu as oublié pour l'éventail. Non, je vais le faire couleur ivoire, que je montrais un peu au blanc. On voit la palatier, bref, on voit pas trop, hein, on voit un bout. Mais voilà, je désespère pas de m'acheter une petite caméra en plus pour filmer la palette. Est-ce que tu referas des analyses? Oui, je referai des analyses de figurines en live, mais là, voilà, je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu plus tendu en ce moment. Niveau enfin, organisation de tout ça, le fameux, le fameux tuto vidéo complet reboot Gulliman que j'ai pas sorti encore. C'est pas très bon. Moi, j'ai un réflexe d'expert. Au lieu de tout faire au début, je fais rien jusqu'à la fin. Voilà, pas mal aussi ça. Bonsoir, Obi Maquette. Bienvenue, Plop HB. Bon réflexe, Chris. Salut, Obi. Voilà. Alors, bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, très simple. Alors, moi, la peinture, bon, je suis peintre pro. Hein. C'est-à-dire que je suis enregistré, j'ai un RCS et tout, hein, les gars. Je suis pas là pour déconner, moi. J'ai des commandes. Je peux pas trop me plaindre là-dessus. Je pourrais en faire plus, mais c'est moi qui resterai un petit peu par rapport au temps que j'ai. Et notamment, là, j'ai eu un imprévu. Figurez-vous, les gars. Mais un attribut qui est un peu voulu, c'est que moi, pour gagner ma croûte, au-delà de la peinture sur figurine, bon, c'est bien, mais c'est quand même pas assez pérenne sur le. Enfin, pérenne. Il faudrait que j'en fasse beaucoup, énormément, et pas forcément des trucs qui me plaisent tout le temps. Et puis ce serait un peu un pari aussi, parce que j'ai pas. Voilà, j'ai des commandes, mais attention, hein, pas de quoi dégager des salaires monstrueux non plus. Des salaires corrects, mais pas non plus monstrueux. Donc en parallèle de ça, moi j'étais et je suis toujours très intéressé par la formation. C'est quelque chose qui me plaît. Et vous n'êtes pas sans savoir, pour certains peut-être, que je suis normalement, enfin normalement, que mon premier métier, on va dire, c'est agent immobilier. Je sais, c'est bizarre, mais voilà. Bon, j'ai été un peu spécial dans mon métier, hein, je ne vous cache pas. Qui a fait ma force, hein, dans certains côtés. Après, j'aurais pu faire de meilleures performances si j'étais un peu plus requin, ça c'est sûr. Un peu plus. Alors non pas que. Pff, je veux pas non plus qu'on tombe trop dans le cliché de l'agent immobilier requin, mais on va dire pas requin vis-à-vis de faire n'importe quoi avec les clients, mais on va dire plus en recherche de relationnel à développer pour faire du pognon avec, plutôt que moi qui étais plus en termes de je fais mon job et puis moi mon relationnel c'est mon relationnel pour m'amuser, passer du bon temps, on oublie un peu le boulot quoi. Voilà. Alors que bon, l'agent immobilier qui est bon, il vit agent immobilier 100% du temps quoi. C'est-à-dire que le mec le dimanche il va chercher son pain, il est agent immobilier quoi. Hein, parce que bah, son business c'est son relationnel. Alors ça marche dans la peinture aussi. Hein. Mais moi, je ne suis pas du genre à, je pense que vous l'aurez compris, à faire des ronds de jambes ou de la séduction, du tout, du tout. C'est pas un truc qui me plaît. Donc, j'étais efficace dans la mesure de ce que j'avais envie de développer et de consacrer à ce métier-là en termes de. Un peu de. Pas de mensonge, c'est pas vraiment du mensonge, mais ce que j'avais envie de consacrer, on va dire, à. Dans ce métier-là, au fait d'entretenir un relationnel, tout ça, tout ça. Et donc, tout ça pour en venir au fait que là, j'ai la chance d'intégrer dans une entreprise, alors c'est une CCI, c'est une chambre de commerce, pour faire des formations. D'accord? Donc, c'est en train de se faire là. Ah, il y a ma femme, c'est ma femme ou c'est Clara? Non, c'est ma femme qui rentre. Hein? C'est que ma femme. Bref. Bah oui, ben. T'apporte qu'une infusion. On apporte une infusion. C'est bien, mais Clara, c'est quand même mieux. Merci, mon cœur d'amour. Je t'aime, ma pitoune. Donc, j'ai donc d'intégrer une chambre de commerce pour faire des formations. Et ben, ils m'ont donné ma chance. Sauf qu'il y a un boulot de dingue et ça fait plusieurs jours que j'y suis parce que je dois préparer des formations, alors sur des sujets que je connais quand même, hein, c'est de l'immobilier, hein, j'en ai fait depuis 15 ans, l'immobilier environ. Donc je connais, mais c'est quand même entre connaître et préparer une formation sur des sujets assez pointus des fois, c'est pas la même. Et puis même, de toute façon, une formation, ça se prépare. Hein. On débarque pas les mains dans les poches. Bon les gars, sauf peut-être en peinture. Et encore, non. Si on veut vraiment bien le faire, ça se prépare quand même un petit peu. Et donc, et ben du coup, ça demande du temps. Donc, raison pour laquelle, ben, les gars,
comme ça va être une source de revenus pour moi, évidente, eh ben, il faut que je passe le temps nécessaire parce que je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. C'est hyper important. Évidemment que je vais être attendu au tournant, hein, et c'est tout à fait normal là-dessus. Donc, je me dois de faire un truc de qualité. Qui dit qualité dit passer du temps dessus. Donc, c'est vrai que sur les commandes que j'avais prises avant de savoir que j'allais avoir cette opportunité-là, bah, du coup, je suis un peu en rush là en ce moment. Des nouvelles, je peux en prendre, mais délais, bah, seront pas les mêmes, hein, plus longs, évidemment. Et voilà. Et du coup, bah, ouais, sur la chaîne, ce que je voulais faire, développer, tout ça, ça pourra se faire, mais pas tout de suite, tout de suite, parce que les formations, je suis obligé de les préparer. Mais après, une fois qu'elles sont prêtes, c'est juste de la veille et de la mise à jour, d'accord? Mais en attendant, on démarre de rien. Je peux pas. Enfin, on démarre de rien. Je suis obligé de créer ma formation, déjà. J'ai des sujets, je sais les sujets que je dois aborder, mais je suis obligé de la préparer, cette formation. Après, une fois qu'elle est préparée, c'est plus souple. Donc voilà, donc pendant un temps, ça va être un peu tendu au niveau emploi du temps. Et puis en plus de cela aussi, j'avais des projets théâtre, court-métrage que je fais. Voilà, pour ceux qui connaissent, hein, pas tous hein, sur le live, je pense qu'il y en a peu qui sont un peu au courant de ce que je fais. Peut-être Christian là-dessus, qui est un ami dans la vraie vie aussi. Du coup, ouais, alors c'est très bien, c'est top, hein, je l'ai cherché, hein, je l'ai voulu, mais ça demande du temps aussi. Donc tout ça fait que il faut jongler un petit peu pendant un temps, et donc je vais sûrement pas avoir la possibilité d'être aussi présent. Alors tous les jeudis, ça je vais maintenir, il n'y a pas de souci. Vous me direz, bah, qu'est-ce qui change alors? Calmez-vous. C'était plus sur les trucs que j'avais en boîte et que je comptais sortir. Genre le reboot Guilliman, le tuto complet, bah, pour le monter, bah non, ça va pas être tout de suite, ce sera plutôt janvier, je pense. Donc voilà, pour la petite histoire, où j'en suis de mon côté. Voilà. Parce que faire que de la peinture pour assurer mes revenus, c'était envisageable, mais c'est un peu périlleux, quand même, je trouve. Parce que j'étais pas avec un stock commande suffisant pour pouvoir dire, allez, je me lâche dès demain, je fais que ça. Et puis la formation, ça me plaît, de toute façon, moi. Voilà, même si c'est pas dans la peinture, j'en fais déjà dans la peinture. D'accord? Donc ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, prenez des cours. Hein, vous m'appelez, là, on fait des cours en live. On peut faire des cours en live. Johan, on en a fait. Il a pris un niveau de fou, Johan. Hein. Tu peux témoigner, Johan. Pas vrai, hein? Pas vrai, Johan, t'as pris un niveau de fou, t'es à deux doigts de faire des concours et d'éclater tout le monde. Hein. Il est à deux doigts du Crystal Brush. Hein. Grâce à moi, uniquement. Il n'y est pour rien. C'est moi qui ai tout fait. Pas vrai, Johan. Il peut témoigner. Donc, hein? Donc oui, je fais des cours aussi, donc pour ceux qui veulent. Mais là, par exemple, pour les cours, vous voyez, il y a quelques cours, j'ai accepté parce que c'était en route. Mais les prochains, ça va plutôt se faire au mois de décembre. Pas tout de suite, quoi. Parce que bah, j'ai ces formations-là à préparer. Et que je veux être impeccable sur mes formations. Là, ouais, ce soir, je peins, mais demain, je sais qu'il va falloir que je répète ma formation. 2 x 7 heures, 14 heures. Donc, faut raconter des trucs quand même. Voilà. Donc, bon, c'est préparé, hein, j'ai bien avancé sur le sujet. J'ai travaillé un peu tous les jours. Comme il fallait. Rigole, toi! Mais je lis la réponse de Johan. Ah, lis les réponses de. T'as pas autre chose à faire que de lire les réponses des gens, toi? Oh, et un. Hein? Tu ferais mieux de. Hein? Le ménage. On va pas se faire tout seul. Hein. Vous avez de la chance, vous voyez pas le signe qu'elle me fait. Vous avez de la chance. Pas piquer les hannetons, hein. Ah oui, bah oui, rigole. De toute façon, faut tout refaire l'éducation. Ça, je le savais, hein, quand tu te mets avec une. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce pain. Alors, qu'est-ce que vous dites de beau? Bon, vous avez compris, parce que des fois, c'est décousu quand je parle. Hein, des fois. Hein. Puis, comme j'aime pas trop parler de moi, en fait, même si je parle beaucoup, la cam palette, c'est comme Gulliman, pas sûr que ça arrive. Mais si, Benjamin Roussel, ok, oh, Benjamin, il est méchant, Benjamin. Parce que Benjamin, il va dire, ouais, ça fait un moment qu'il en parle et ça vient jamais. Si, si, Benjamin. Pas vrai que ça va venir, la caméra palette? Ok, ça va, j'ai compris. C'est moi qui l'ai fait, oui. C'est bon, j'ai compris. Il est où le sèche? Ouais, pour l'instant, j'ai pas besoin. C'est plutôt sympa comme ça, changement professionnel. Alors, c'est pas vraiment changement. Oui, changement professionnel parce que du coup, je suis plus agent immobilier. Yes!
Parce que ça commençait un peu, hein, ça fait 15 ans, j'avais fait un peu le tour. Et puis la manière dont je le fais, moi, dont j'avais envie de le faire, déjà, si vous êtes plus passionné par le truc, bon, déjà, voilà, déjà, je pense que tout est dit, mais en gros, la manière dont je le faisais, moi, c'était pas la plus productive, on va dire. Alors, c'est pas que je foutais rien, c'est que, voilà, je sais ce qu'il faut faire, hein, pour être super bon, ça je le sais, puisque je vais l'enseigner un petit peu. Sincèrement, je sais. Parce qu'il y a des moments, quand j'avais besoin de le faire, je l'ai fait, et puis j'ai gagné mes thunes. Hein. Mais ça me plaît pas, quoi. Ça me plaît pas. Il y a des trucs qui me plaisent pas. Bon. Donc, expliquer comment faire, oui, le faire maintenant. Bon, voilà, ça fait 15 ans, j'ai fait le tour. Je vais expliquer comment on peut le faire. Oui, ça, oui. Après, attention, hein, il y a des choses qui me plaisent quand même dans le métier. Mais voilà, comme tout métier, on peut pas prendre que ce qui nous plaît, et puis mettre de côté ce qui nous plaît pas. Pas vrai, mon cœur, hein. C'est toi qui dis ça, souvent. Hein, exactement. On est obligé de tout prendre. Donc, je me suis dit c'est le bon moment pour arrêter parce que en plus je me suis retrouvé dans une agence avec une direction de merde. Pour ne pas dire autre chose. Hein, hein. C'est-à-dire qu'en votre direction elle-même, la base d'une team, hein, c'est quand même de se dire les choses, d'être honnête, franc, transparence, tout ça, tout ça. On était un peu loin de ça, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça n'a pas tenu, parce que je suis pas un lapin de 6 semaines, moi, on me l'a fait pas à l'envers. Donc bref, ça n'a pas tenu, et puis du coup, bah, ça a été un peu le bon moment pour se dire, allez, reconversion. Et puis après, vous savez, dans la vie, il y a des fois rien qui arrive par hasard. V'là petit pas que j'en parle, et v'là petit pas que, voilà, dans mon relationnel, il se trouvait que j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider sur ce terrain-là, et qui a eu la gentillesse de le faire, entre guillemets, de me donner un peu ma chance. Donc déjà, rien que pour ça, moi j'ai pas envie de, entre guillemets, de décevoir. Voili, voilou. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, j'ai pris un niveau de fou, j'ai gagné le cristal. Voilà, Johan, voilà. Grâce à qui ? Grâce à The Studio. Le studio qu'il vous faut ! Voilà. Il va faire tout noir. Pourquoi il va faire tout noir ? Qu'est-ce qui se passe ? Vivement mon cours. Bah oui, on va le faire ton cours, mais oui. On s'était programmé ou pas, Ludic Family ? Je sais plus. C'est un peu flou là, hein ? Eh ouais, c'est un peu flou, je me rends compte là. On discute, mais c'est tout flou. Ça va pas du tout. Si, ça y est, la mise au point se fait. Il va faire tout noir. Mériter ce signe, non ? Madame Zos, le rouleau à pâtisserie marche beaucoup. Oh là là, dis donc, oui. Zos, sois gentil avec madame, sinon ça chauffe. Oh là, vous la connaissez pas, elle a du caractère. On sait qui prend les fessées à la fin du live. Pas du tout. Prend les fessées à la fin du live. Ouais. Bah, dis pas non. Hein. Ah, petit côté Clara Morgan, hein, peut-être. On sait pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? La cam palette, c'est comme Gulliman, pas sûr que ça. Ah oui, c'est Benjamin qui disait du mal, ça. Hein. Postez notre message, que le message de Benjamin disparaisse dans les crânes, là. Hein. Voilà, paf ! Tiens, Benjamin, on te voit plus, ton message. Et puis, il est dans les crânes, tu vois. Bien fait pour ta gueule, tiens. Il va faire tout noir. Ta gueule, MDR. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Dominique ? Dominique, il a craqué, Dominique. Tiens, il va harceler la folie d'Azoran à déteint sur madame. Oh, il est plus fracassé que moi. Hein. On dirait pas, hein. Moi, je suis câblé par rapport à elle. Elle, C'est beau, c'est tout flou. De temps en temps... Oui, ben, c'est tout flou. Tout flou, tout femme. Ah, tout flou, tout femme. Ah, tout flou, tout flou. Ah, électron libre, bravo. Ah ouais, mais c'est de la poésie, ça. Ça, c'est pour toi, tu vois, poésie, ça. Ouais. Rien à foutre, notre ça. C'est pour toi. Ça, c'est bien que tu t'intéresses à la poésie, toi. C'est un truc de gonzesse. Alors, voilà. Bon. Donc là, on a fait nos trucs principaux. On a posé ce qu'on appelle nos valeurs. C'est-à-dire que lumière, intermédiaire et ombre. D'accord ? Hein ? Jusque-là, vous suivez ? Pas sûr. On va voir votre tronche, je suis pas sûr. Voilà. Mais bon, bref, fait comme on peut. Donc, ça veut dire quoi ? Ce qui m'intéressait de voir, là, c'était... Alors, c'est caca, on est d'accord, mais c'était d'avoir du vert clair, là, du vert un peu moyen, là, vous savez, là, voilà, et du vert foncé dans les creux, là, hein, là où la lumière a du mal à rentrer. Dès que la lumière a du mal à rentrer dans Clara, on met de l'ombre. Voilà, pas compliqué. Voilà, la lumière, on sent qu'elle a du mal à rentrer. Excusez-moi, je rote.
On va la rentrer dans Clara. Donc on met de l'ombre. Voilà, comme ça. Voili, voilou. Bon, je pense que... Je pense que c'est pas trop mal. On va pas s'endormir sur cette partie-là. On va passer à l'étape 2. Je fais le tour d'abord, voir si c'est assez correctement fait. Ouais, non, ça mérite un petit passage encore pour confirmer les couleurs. Alors, c'est tout à fait normal. Votre peinture, il faut plusieurs passages hein, pour que ce soit bien opaque. Hein. D'accord ? Donc, c'est tout à fait normal que de revenir un petit peu sur... Voilà, alors vous appliquez un peu moins de peinture, hein, vous avez moins besoin de revenir. Mais voilà. La peinture, ce n'est qu'un voile transparent, pudique, jeté sur une sculpture. Mais du coup, il faut, il en faut plusieurs. C'est tout à fait normal. Hein. Ça ne marque pas forcément du premier coup. Et là, je m'intéresse pas au micro-volume encore, mais un peu au volume généraux. Vous voyez là, par exemple, là, retour de la lumière pour traduire un peu ce relèvement là du tissu, du drapé, avec une petite disparition dans l'ombre. Là, vous voyez, par exemple, un petit peu de vert ici, là, vert foncé, parce qu'on est dans le creux du tissu. Voilà. Toutes ces choses-là, c'est des choses, là, je vous le montre maintenant, mais en gros, on peut le voir après, ça. D'accord ? Voilà. Donc, je vais revenir ici, juste faire... Voilà, ces petits passages-là. Bon, je pense que le vert, il est fait. Le vert, il est correctement fait. Ça suffit à ce stade-là. Maintenant, ce qu'on va faire, le bleu du tissu, on le travaillera après. Pourquoi ? Parce que c'est une petite partie, donc je pourrais me permettre de la travailler de manière soigneuse, sans que ça prenne trop de temps, puisque c'est une petite partie. Et comme ça, ça me permettra d'y aller gaiement avec mes jus sur Clara, mes jus de vert. D'accord ? Donc du coup, ici, voilà, je vais pas trop... je déborde un peu ici, mais c'est pas ça que je vais traiter maintenant. La transition, j'essaie de faire une transition un peu moins colorée, hein, quelque chose d'un peu plus... un peu plus progressif. Donc je fais remonter un espèce de vert intermédiaire là, vous voyez. Bon, c'est pas mal là, hein. Là, pareil, petit mélange de vert et de vert intermédiaire. Ici là, voilà, tout ça là, vous voyez, c'est plutôt dans l'ombre. Donc voilà, je commence un peu à travailler ici. Voilà, là je commence à travailler maintenant toujours mon ombre et ma lumière mais de manière un peu plus précise. Vous voyez, là je commence pas à faire du micro détail, mais voilà, un petit peu plus détaillé. Voilà, ici par exemple, voilà, tout dessous, hop. Et dès que j'ai débordé, c'est pas grave, j'ai ma palette humide, donc je viens effacer, d'accord, je repasse par dessus tout simplement. Je veux un petit peu d'intermédiaire là, et ben voilà, je vais avec une couleur un peu intermédiaire, je tapote, je travaille dans le frais, c'est les premières couches, donc c'est pas, voilà, pas nécessaire que ce soit hyper Bon, je pense que c'est pas mal, là. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, vous voyez tout flou ou pas ? Quand je mets mon pinceau dessus, là. Ouais, j'ai l'impression que c'est des fois pas très net. Je vais régler manuellement le truc, je pense. On va faire ça. Parce que j'ai l'impression que des fois, c'est pas net, net, net. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça que je veux mettre ici. Et ça que je veux mettre là. Mise au point. Virtual automatique. Voilà, pour l'instant on va laisser comme ça. Alors maintenant on va faire le rouge. Donc le rouge. Bonne nuit Benjamin, il va se coucher. Bonne nuit à vous deux, bon courage à Zoz, et pense à moi le 15 octobre car c'est le jour où je prends une ride. Ah oui, le 15 octobre, aïe aïe aïe. Bah ben, qu'est-ce que on est tous obligés d'y passer, hein. Alors là j'ai mon rouge, c'est celui-là. Là pareil, dans le frais. Je vais me faire du rouge et du rouge un peu avec du vert. D'accord ? Je vais peut-être le mettre là. Et une deuxième pointe de rouge ici. Je l'avais mis à gauche, mais ça ne m'arrange pas parce que mon vert est plutôt de ce côté. Et je mets une pointe de vert ici. Voilà. Là, j'ai dans ma palette donc mon rouge. D'accord ? Je vous montre un petit peu ici. Voilà, c'est là. C'est là, c'est là. Non, c'est là, c'est là, c'est là. Voilà. Voilà. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est là, rouge et vert, voilà. Et c'est ça que je vais un peu mélanger, c'est-à-dire je vais travailler mon rouge, et en même temps je vais mélanger un peu avec mon vert sombre, et c'est ça qui va faire l'ombrage de mon rouge, parce que quand des couleurs opposées sur le cercle chromatique sont mélangées,
ça les tire effectivement vers le sombre, et en plus, ça les désature un peu. Et ça crée donc un ombrage un petit peu plus intéressant qu'avec du noir qui va avoir tendance à tirer vers le gris. D'accord ? Et nous, c'est pas le but du tout. On veut rester dans la couleur autant que faire se peut. C'est ça le... comment dire, le secret. The secret. Pour un avis débutant, c'est mieux de bosser sur une grosse... Ah oui, quand t'es débutant, c'est mieux de s'attaquer aux grosses, ouais. Je pense. Hein. Ouais, parce que tu prends moins de risques avec les grosses. Non, il n'y a pas vraiment de règle, écoute. Oui, alors après, en fait, c'est différent. Les grosses figurines, ça t'oblige à... En fait, ça, c'est des défis différents. Sur les grosses figurines, tu peux avoir un traitement un peu plus global, tu vas travailler des détails que tu ne vas pas forcément travailler sur des petites, parce que bah, ils sont tellement petits que tu ne les travailles pas de la même manière. Tu les travailles plus en toucher pictural, alors que sur les grosses, tu vas vraiment pouvoir travailler ces détails-là avec peut-être encore des dégradés, des lavis, des glacis, un peu plus de progressivité, que tu consacreras pas sur de la petite figurine pour traiter ces mêmes détails-là. Donc c'est les deux sont intéressants. Il faut vraiment essayer de faire les deux. En fait, des grosses, des petites, des bustes. Dans l'idéal, pour progresser, c'est bien de taper dans les deux. Ouais. La grosse comme pas la grosse. Voilà. Alors, je regarde juste mon petit dessin. Comment que c'est ça? C'est un peu rouge. Ah, c'est un tir un peu vers le jaune en bas, là. Eh ben tiens, le jaune, moi, je vais utiliser ça, là. Hein, le truc qui tire vers le jaune, là. Qu'est-ce qu'elle me pointe comme message? Ben dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ben Ludic, il t'a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit, Ludic? On va te contacter en décembre. Ah, en 2022. Ah ben parfait, parfait. Noté, greffier, noté. Noté, c'est noté, greffier. Ouais, ben voilà, tu vois, toi, plutôt que de... Tu ferais mieux de noter un agenda et de noter ce truc-là. Contact avec Ludic, famille, voilà. Plutôt que de... n'importe quoi, là. Alors, allez, on y va. Le cucu de l'araignée. Donc, on y va, là. Bon, alors là, tu ne prends pas la tête, hein. On y va. Donc, pour l'instant, je fais couleur claire, ombre... Oh, si, tiens, je vais faire un petit mélange clair. Alors, mon petit mélange clair, ben, je vais utiliser ce que j'ai dans ma palette. La couleur, là, de chair que j'ai pris pour faire mon masque, là, ben, c'est une couleur claire. Ben, je vais éclaircir mon rouge avec. Palette réduite. Alors, du coup, regardez comment je fais. On va faire plus simple que ça, même. On va prendre carrément, vous voyez, ici. Là, cette couleur-là dont je vous parle. Vous voyez, ça... Hein, on y va là, comme ça, bien clair, et ensuite, hop, bien rouge, vous voyez, comme ça, là. Ici, ouais, tac, 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 voilà, dans le frais, tout ça, in the fray, voilà, et après, ici, du rouge, voilà, on pose la couleur, on y va, franchement, d'accord. Voilà, faut y aller franchement sur ces étapes de peinture là, d'accord, les copains, vous avez compris maintenant, on fait pas semblant. Voilà, tiens, un petit peu de vert là. Pourquoi un petit peu de vert? Et parce qu'on commence à être dans l'ombrage là. Vous voyez, donc hop, un petit peu de vert ici pour créer mon ombrage. Voilà, je reviens avec un peu de rouge ici. Voilà, j'ai mon dégradé qui se fait, vous voyez, tranquille, tranquille, Emile. Et ici, bam, bam, bam. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ici, la petite touche de vert. Petite touche de vert parce que je commence à tomber dans l'obscurité, hein. C'est un volume qui disparaît, hein. On voit bien là. Hein. C'est un volume qui n'est plus exposé en zénithal, qui disparaît un petit peu. Tout ça, là, vous voyez, là, ici, ça va être un peu ombré, hein. Donc, qui dit un peu ombré, dit, voilà, comme ça. Je rajoute un peu de rouge. Vous voyez, j'ai posé mon vert directement sur la figurine. En fait, vous vous servez de votre figurine un peu comme d'une palette. Pourquoi tu rigoles, toi? Attention, hein. Mika du 24, il a dit une bêtise. Il demande si je peins aussi. Il demande si... Bah oui. Pardon. Bah oui, sur pâte à sel. Oui, elle peint sur pâte à sel. Voilà. Peint sur pâte à sel, je vous montrerai. Avec ma fille. Avec sa fille. Ah, tu vois, tu dis ma fille. Tu sais pourquoi tu dis ma fille? Parce que c'est pas ma fille, je suis pas le père. Ouais. Je suis sûr. Ça, c'est un truc qui me trotte. Hein. Ouais. Je vais faire un test parce que... Je vois bien qu'au niveau de la vivacité, des fois... J'ai des doutes. Comment... Vu quoi? Qu'est-ce que t'as dit?
Vu qu'ils entendent, hein, les gens dans le, hein, dans le... que t'as dit qu'elle était chiante. Hein? Non, 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 mais... De toute façon, tous ces documents-là, je les enregistre, ça servira de preuve. Quand on ira au tribunal. Oh, j'adore Chris. Qu'est-ce qu'il a dit? Merci, Christian. C'est le pire de tous, Christian. Le pire de tous. Oui, elle peint la vie de Zoz en mille couleurs. Quel lèche-cul, celui-là. Tu l'as prêté de l'argent, quoi. Quel lèche-cul, c'est impressionnant. Hein. Ou alors, il couche avec toi. Non, il dit qu'il tousse. Ah, il tousse, d'accord. Alors, voyez, là, on a mis du rouge. Là. Donc, on est pas mal, là. Niveau rouge, ombrage, tout ça, tout ça. Donc, voilà, on fait de la texture, on tapote, on travaille dans le frais. Voilà, voilà. D'accord. Donc, hein, vous avez compris, les gars, c'est pas compliqué. Là, 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 il faut que je confirme un peu tout ce qui est noirasse, là. Vert un peu noirasse. Donc, on va prendre un peu. Alors, faut pas que ce soit vert non plus, complètement, hein. Il faut toujours que je sois à la limite. Donc, c'est-à-dire que le vert là que j'ai là, ben, c'est vert. Donc ça marche plus. Donc il va falloir que je l'ombre suffisamment. Enfin, que je rajoute suffisamment de rouge pour qu'on ne soit pas dans le, ben, dans le vert, justement. Mais toujours dans. Mais toujours dans une espèce de rouge désaturé. D'accord ? Qui n'est plus tout à fait un rouge d'ailleurs. Finalement. Mais c'est ça qui est intéressant, justement. C'est que c'est plus tout à fait un rouge. Et ça, c'est de quelle couleur? Bah, c'est le dessous. Hein. Donc, on va un peu improviser sur le dessous. On va dire que c'est un peu comme ça. Hein. On va dire que c'est un peu comme ça. Écoutez, pour l'instant, on va faire comme ça. On verra après ce qu'on fait de du dessous en termes de couleur. Peut-être revenir avec une couleur qui fasse un peu plus carapaçonnée. Je sais pas. Enfin, pour l'instant, c'est pas mon souci. Donc, vous voyez, je m'attarde pas trop dessus. Je la peins histoire de proposer quelque chose, d'avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Je sais pas si cette phrase veut dire quelque chose. Mais vous avez compris l'idée. Voilà. Je reviens ici traiter mon intermédiaire, là, dans le frais, un petit peu là. Rajouter un peu de rouge. Parce que je veux que ça reste vif quand même au niveau de la couleur. Voilà, donc. Je viens tapoter un peu de rouge ici, sachant que vos couleurs claires ont un pouvoir de couverture, ça c'est systématique, hein, inférieur à vos couleurs sombres. Donc ça aussi, ça vous dit un petit peu comment charger vos pinceaux en fonction de ce que vous travaillez. Là, je reviens dans ma palette avec un petit peu d'éclaircie. Je vais reconfirmer ici mon petit point blanc là. Qui est mon éclaircissement maximum. Je tapote autour pour le dégrader un petit peu. Hein. Voilà, histoire que ce soit pas soit un peu progressif, cette histoire. Et puis, ben voilà. Pas mal. Hein. Alors là, je vais m'intéresser maintenant au micro-volume. Alors, micro-volume, c'est quoi le micro-volume? C'est pas tout à fait du micro-volume, mais je me rends compte par exemple qu'ici, vous voyez, il y a un bombé. Ici, il y en a un autre. Donc là, subtilement, je reviens avec une couleur un petit peu plus claire pour mettre en valeur ce bombé, et je fais pareil ici. Vous voyez? Je frotte juste un peu, là. Voilà, ça fait en valeur un petit bombé ici, un petit bombé là. Voilà. Je commence un peu à faire de la subtilité. Mais vous voyez, je ne l'ai pas fait au début, ça. Hein, je le fais que maintenant. C'est marrant, j'ai l'impression que je l'ai de ce côté, mais que je ne l'ai pas de l'autre. Ou un peu moins, en tout cas. Voilà. On va le faire un peu, là, ici. Pourquoi pas. Ici, hein, j'ai un peu de bombé ici là. Voilà, donc je m'intéresse un peu à ces petits volumes qui reprennent de la lumière. Et je me suis pas du tout attardé, vous avez vu, sur les petites griffes, les petits. Voilà, parce que ça, c'est du détail. C'est ça. C'est-à-dire que si je commence à jongler autour de ça avec mon pinceau, j'en oublie complètement l'objectif principal qui est la progression de ma lumière sur ce volume-là. C'est ça l'objectif. Le reste, c'est de la littérature, les gars. On s'en fout. Le reste, ça se fait tout seul. Ça se fera après, en tout cas. Voilà. Vous voyez, je tapote un peu pour que ces micro-volumes-là, ils prennent un peu de relief. Parce qu'ils ont un peu de relief. Donc voilà, je le fais là, là, ici, là. Là. Plus apporter un peu de lumière là, sur ce micro-volume ici. Voilà. Hop, un petit peu tapoter là pour qu'il disparaisse un peu. Qu'il se fasse oublier.
se fondent. Voilà. Ici, retour un peu du sombre. Voilà. Bon. Allez, ça, c'est fait. T'as un site pour les tarifs, etc. Ouh là, on est parti un peu. Je vais relire les trucs. Cyril, vu ton niveau, t'as pas de raison de flipper, je trouve. D'accord, Cyril doit avoir un bon niveau, donc rien de mieux que de peindre avec ses enfants. Oui, c'est vrai, c'est bien de peindre avec ses enfants. Ils en mettent partout, c'est agréable. Perso, j'ai commencé avec les figurines de 10 cm V2, une vraie galère, 25 mm. Après, tout paraît plus facile. Ouais, c'est vrai que selon les sculptures, hein, des fois, il y a des jeux, on s'arrache un peu la tête pour les peindre. Là, d'ailleurs, les figurines de Rising Sun, là, c'est au niveau détail, c'est assez hallucinant pour la figurine de jeu. C'est vraiment bien fait. Vraiment bien fait. Alumbrol, et ouais. On dit toujours maman sur papa, peut-être. Ben bravo, je vois que ça dérive. De mon côté, j'ai trouvé Zombicide super galère, c'est tellement petit. Du coup, j'ai pris les figues du Seigneur des Anneaux Voyage en Terre du Milieu, et c'est une bonne taille pour moi. Ben, très bien. Le but, c'est que tu sois à l'aise hein, au départ. Hein. Après, tu iras chercher d'autres trucs si tu as envie de pousser le bouchon, mais enfin, priorité numéro un, c'est plaisir quand même. Hein. D'ailleurs, ça passe comment les cours Oz, t'as un site pour les tarifs. Ben écoute, le mieux c'est que tu m'envoies un message et puis je te détaille parce que ça dépend en groupe, pas en groupe, la durée, tout ça. En visio ou en physique, si tu veux les cours en physique. Mais tu m'envoies un message. Voilà, le mieux c'est ça. Tu m'envoies un message en MP, comme ça on voit tout ça. Il n'y a pas de souci. Alors, rouge c'est fait. Non, c'est pas fait. Oh là là, il reste les pattes et tout. Là. On s'endort les gars, qu'est-ce que je fais moi? N'importe quoi. Il reste les patounes. Donc les patounes. Alors là, faut pas se tromper parce qu'il faut pas trop déborder sur le tissu. Donc patounes. Allez, au moins le dessus des patounes. Donc le dessus des patounes. Là, c'est du rouge. Là aussi, c'est du rouge franc du collier. Ici. Là aussi. Donc là, en fait, je suis assez prudent pour isoler, en fait, le début de la patoune, si vous voulez. Voilà, parce que je vois qu'il y a du tissu à certains endroits. Mais il faut que j'isole bien le début de la patoune. Voilà. Et puis là, plutôt bien clair, en fait. Parce que là, pour le coup, c'est bien perpendiculaire. Donc ça va être un rouge tapé au clair. Donc un rouge clair, quoi. Voilà. Voilà, ici. Alors ça va pas complètement couvrir, hein, vous avez vu. C'est normal, c'est un premier passage. Je cherche sûrement pas la couvrance au premier passage. Voilà. Voilà, c'est plus cette couleur-là, je pense, hein, qui va être la bonne, parce que c'est vraiment la couleur d'éclaircie, hein, puisqu'on est sur une prise directe à la lumière, là. Par rapport à l'inclinaison, c'est bien perpendiculaire à la lumière. Donc on se doit d'avoir quelque chose un peu dans ce goût-là, vous voyez. Donc là, je fais tout le tour de mes patounes. Ici, là, c'est le tissu, ouais. Voilà, en fait, il ne faut pas se tromper sur où commence le tissu, où s'arrête la papate. C'est plus difficile, là, ici, pour moi. Parce que, voilà, ça reste une sculpture de jeu, quand même. Hein. C'est pas... Mais pour la sculpture de jeu, encore une fois, je le redis, Rising Sun, assez bluffant au niveau des détails. Voilà. Donc là, c'est bon. Les limites sont assez correctes. Du coup, vous voyez, je me rends compte que par exemple, ici, ça me manque un peu de vert. C'est pas très grave. On ira reprendre ça après. Ça fait partie des retouches. Après, là, on a de la patoune qui disparaît un peu comme ça ici. Et là, si on veut bien faire. Au niveau des griffes, un petit dégradé vers une espèce de couleur un peu jaune-orangé, plus proche peut-être du cacadois, pour être tout à fait honnête. Donc, eh ben, on va le traiter ça. On va le traiter avec, voilà, tout simplement ça. Voilà. Donc ça, c'est la couleur que je dois atteindre. C'est mon objectif. Donc je peux me le fixer hein, directement, hein, vous voyez. Tac. Et après tout ça, ça se dégrade. Donc, même principe, on va sûrement pas s'amuser à faire des lavis sur des lavis et des glacis et patins couffins. On fait tout ça dans le frais, les copains. Hein, on n'est pas là pour perdre la vie des rats. Donc, pour l'instant, grossièrement,
Vous avez compris le principe. Je viens marquer le bout de mes papates. Voilà. C'est plutôt cette couleur-là. Et après, évidemment qu'on viendra fondre tout ça. Mais là, voilà, je marque le bout de mes papates. Faut faire l'intérieur aussi, hein. Et oui. Donc là, intérieur, avec une couleur un peu plus ombrée. Qu'est-ce que je prends? Je vais l'ombrer avec quoi? Tiens, avec un vert, ça donne quoi si je l'ombre avec un vert, ce truc-là? Ça tire trop vers le vert. Donc non. Si je l'ombre avec, et pour une fois, je vais taper dans mon noir. Allez, on va taper un peu dans le noir ici pour ombrer de ce côté. Voilà. Pareil ici, donc ça avec une petite pointe de noir. Voilà. Allez. Donc ça, ça va me servir à faire le derrière. Des patounes qui prennent un peu moins la lumière. Donc vous voyez, je suis dans la pose de valeur, je suis pas dans la précision du tout. Hein. C'est pas ça que je cherche à ce niveau-là. Je suis désolé, je m'écarte beaucoup de l'objectif et vous voyez rien. Du coup, ça n'a plus aucun intérêt, évidemment. Vous voyez plus ce que je peins. À quoi bon regarder une chaîne de peinture? Tu vois pas ce que le mec y peint. Aucun intérêt. Aucun intérêt. D'ailleurs, vous voyez pas beaucoup en fait ce que je peins, hein, je m'en rends compte. Parce que c'est pas très. Je vais peut-être te mettre comme ça. Voilà. Là, vous voyez peut-être mieux. Voilà, donc là, je peins l'intérieur de mes papates. D'accord. Petite pointe de noir. Voilà. Donc l'intérieur, c'est le jaune intérieur de mes papates. Cassé un peu avec du noir. Bon, pas très grave. Fallait bien ombrer. C'est fait. Je reviens faire le devant des papates. Cette fois-ci, avec un jaune qui va bien. Voilà. Je cherche pas la perfection, hein, c'est un premier passage là, hein, d'accord. Ça se construit petit à petit. Commencer à comprendre la technique de peinture. Hein. Voilà. Voilà, ici. Ok, ça c'est bueno. Maintenant, on revient ici avec ce rouge là. Voilà. Ici. Ah oui. Bonjour. Ici. Alors, je repasse un peu aux endroits où j'ai été un peu ledge sur l'arrière. Alors, je me rends compte qu'il y a des petits manquements. Donc, je les corrige ici, là, voilà. Là, notamment. Pas le plus facile à peindre, hein, ces petits. C'est pas le plus passionnant non plus, je vous dirais. L'arrière des papates. Mais bon, faut le faire. Hein. Faut le faire et essayer de bien le faire quand même. Voilà. Là, mes arrières de pattes sont bien faits. Alors, pour l'instant, ça ressemble à rien. C'est normal. No stress. Ça va se concrétiser petit à petit, cette histoire. Voilà. Là, il faut que je fasse l'intérieur maintenant de mes papates, donc avec un rouge sombre, et ben on va faire tout ça là, voilà, tout cet intérieur là, ici. Donc, vous voyez, c'est faut pas chercher trop la précision là, c'est vraiment mettre la couleur, hein. Je pose la couleur, je veux pas de pointe de blanc quoi, en haut, hein. Un peu ça l'idée. Voilà, je fais gaffe de quand même un peu épargner mes tissus.
Voilà. Ici. Voilà. La musique est pas trop forte. Non, c'est bon. Ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir le peuple. Le contraste avec Azenithal avant, oui, ça fonctionne super bien. Et tu peux faire assez simplement tes dégradés. Oui, c'est vrai, en jouant sur la transparence. Après, ça a tendance à manquer un peu, des fois, quand on fait ça de saturation, de peps. D'accord. Après, tu peux aussi t'en servir de guide de ton Zenithal. Mais oui, oui, tout à fait. Hein. Garder son Zenithal en transparence, c'est une des techniques de peinture qui est tout à fait valable, évidemment. Évidemment. Putain, par contre, c'est chiant, c'est pas, dis donc, là. Parce que c'est l'intérieur, quoi. C'est pour ce qui fait rêver. Hein. La peinture, faire l'intérieur des papates de la figurine. Ah, on n'est pas payé pour ça. Pas ça, c'est pas ça qu'on nous demande. Hein. L'intérieur des papates de la figurine, non. Non, trop, c'est trop, monsieur. Oh, attendez, puis en plus pour accéder, dans l'idéal, il aurait fallu peut-être la dessoucler et la mettre sur une petite tigeasse pour se faciliter le boulot. Hein, quand on est malin, qu'on réfléchit un peu. C'est ça il faut faire, normalement. Quand on est un mec intelligent. Mais vous allez voir que, comme d'habitude, c'est moche au début, mais après, ça va être beau. Vous le savez, ça. Ah, vous le savez, maintenant. Bah oui. Vous me connaissez. Alors, ici, on remplit. Bon, allez, je commence à m'en sortir de la base, en tout cas, de ces papates. C'est ça le plus chiant. Après le reste, une fois que la base, elle est faite, après le reste, c'est du petit lait. C'est du bonheur. Mais bon, en attendant, pas le bonheur tout de suite. Bon, faut se frapper tout ça, là. Dis donc, pour aller chercher certains endroits, c'est... costaud, hein. Voilà. Voilà, là c'est bon, là aussi. Alors, on va s'en sortir. Bientôt, on se sort de ça. Et on va attaquer des choses plus intéressantes. Ah, le tissu est tombé là, vous voyez. J'avais pas vu. Oh, vu, j'avais pas vu. Nettoyons pour lunettes. Il y en a qui connaissent ça. C'est vieux ça. Pour les vieux. Mec qui ont 40 ans. Allez. Là, ça commence à. Encore un petit peu de vert foncé. Là, il va me falloir. C'est long, mon Dieu, ce que c'est long. On est chez Redneck, là, avec la Zik. Ah ouais, je sais pas ce que vous écoutez, là. C'est possible, hein. Je me suis mis quelques petits morceaux un peu Redneck. Hein. J'aime bien, moi, ça. J'aime bien le côté un peu Redneck. Voilà. Allez, là, c'est bon. Là, c'est bien chargé en peinture. Donc, on avance. Voilà, là, le dessous aussi, ça fait comment la gueule devant. Ouais, c'est ça, c'est toujours un peu dans les rougeasses, comme ça. Voilà, on reviendra un peu affiner après, évidemment. Tout ça, mais pour l'instant, j'ai envie de dire, ça va faire le job. Voilà, voilà. Ok. Allez, pour revenir avec mon rouge normal ici, voilà, là, ici et là, ici, voilà. Allez, là je commence un petit peu à être un petit peu plus dans la précision, grosso merdo, hein, quand même. C'est-à-dire là, sur les niveaux de flanc, je veux un rose normal. Une espèce de rouge rosé, là, que j'ai mis au départ. Hein.
Voilà, il faut que je le retrouve sur les flancs de mes pattes et sur la partie inférieure de ces pattes-là. Si ça se mélange un peu avec mon noir, c'est pas grave. Hein. C'est pas le but, c'est pas la perfection. Hein. Les variations de ton aussi, c'est intéressant hein, sur une figurine. Donc vous voyez, là, vous voyez, c'est pas complètement sec. Je travaille un peu dans le frais. Du coup, je ramène de l'ombre sur un endroit où il devrait pas trop y en avoir, mais c'est pas grave. Ça apparaît petit à petit. Vous voyez. Et je vais me faire un petit entre-deux là. C'est bon, c'est le bon moment. Un mélange entre mon rouge et mon jaune. Et là, je vais commencer à faire ici, là, ma petite progression. Vous voyez, mon petit dégradé, là, sur celle-ci de pâte, qui commence à apparaître. Vous avez vu? Tranquille ou bilou, discrètement, sans qu'on voit venir. Hop. Il est là. Il est là, le dégradé, il est là. Voilà. À ce stade, ça suffit. Là, pareil. Hop, une petite pointe ici. Tranquille ou bilou, on remonte. Voilà. Le dégradé, il se fait là, tranquillement. Voilà. Hop, petite pointe de rouge, si je trouve que ça manque un peu. De jaune là. Si je trouve que ça manque un peu, voilà, hop, deuxième dégradé commence un peu à apparaître tranquillou bilou, vous voyez, on est très tard ces dégradés, d'accord, ça doit vous faire un peu écho à ce que je vous disais, c'est à dire le fait que souvent les défauts qu'on peut avoir c'est de rentrer trop tôt dans le traitement de ces détails sans avoir posé déjà un peu de la peinture, juste de la pose de peinture déjà. Ça crée un fond. Voilà, après vous venez ajuster. Mais voilà, ça vient après ça. Ajuster. Voilà, les dégradés se font là petit à petit. Tac, tac. Ici c'est pareil. Du dégradé là. Voilà, là c'est pareil. Ici aussi. Voilà, on n'a plus trop de points blancs là. On commence à avoir un peu tout de recouvert. On commence à avoir un peu des dégradés qui apparaissent. Voilà. Allez, on continue notre travail. Vous voyez, je travaille avec un pinceau qui est un peu sec, un peu. Je ne cherche pas la dilution. Là, vous voyez, on entend toujours la dilution, la dilution, la dilution. Non, la dilution c'est un faux ami au début. Vous n'avez pas besoin de diluer tant que ça. Hein. N'oubliez pas qu'il faut poser de la couleur. Hein. Et si vous voulez que votre couleur marque, bah, si c'est trop dilué, bah, vous ne marquez rien du tout. Donc la dilution, oui, mais pas pour tout. Ça dépend ce que vous faites. Produit glacis, évidemment, oui. Produit lavis, évidemment, oui. Mais pour là, là, ce qu'on fait, non, la dilution, c'est pas notre ami. Pas notre ami du tout. Voilà, là je reviens, vous voyez, intensifier un peu mon rouge ici sur le haut. Tac. Voilà, et là je vais pouvoir un peu reprendre mon rose que j'avais là. Voilà, donc ça me fait une deuxième couche qui va venir un peu pacifier tout ça. Venir confirmer mon éclairci, ma couleur. Ouais, donc vous devez voir un peu apparaître ça doucement. Là. Voilà. Ici. Là, on commence à avoir un truc, voilà, progressif, le jaune, le patin couffin. Ça commence à ressembler à quelque chose au niveau de la pose globale, en tout cas. Qui permet d'aller plus loin après dans le travail. Voilà, je reviens avec un peu de rouge ici, là, pour ma transition. Hop.
Ding, 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 ding. Voilà, là on est pas mal, on a une bonne progression là. Voilà, c'est correct. Je reviens un peu avec mon rouge rattraper mes intermédiaires là. Voilà. Donc je peux appliquer le rouge là parce que comme la couleur sombre, je vous l'ai dit, hein, elle marque fort. Mon rouge, même si je l'applique quasi sans dilution, je vais quand même voir transparaître le sombre en dessous. Hein. Donc voilà, toujours garder à l'esprit ça aussi, hein, que le fait va pas être le même en termes d'intensité, et donc la dilution n'est pas la même selon que vous voulez recouvrir une zone claire ou une zone sombre. Une zone sombre, si vous voulez entièrement la recouvrir, il va falloir plus charger, plus de passage. C'est normal puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, les couleurs sombres sont plus difficiles à recouvrir avec des calques. Une couleur claire, voilà, ben, vous mettez un filtre d'une couleur, d'une autre couleur, ça va très vite teinter, très vite prendre le pas, très vite marquer. Voilà. Allez, on peut se refaire un deuxième petit passage d'éclaircie là, maintenant. Hop. Voilà, ça c'est la couleur finale de ma papatte. C'est ce que je veux atteindre. Cette espèce de couleur cacadois pure. Et voilà. Et auparavant, je vais passer par tous ces intermédiaires là. Voilà. Donc, un mélange un peu comme ça là, ici. Et qu'on peut ensuite mélanger ici avec une touche de rouge. Voilà. On peut ici revenir un peu avec une couleur claire, comme ça. Voilà, là mon dégradé il est pas mal. Voilà, sur ses pattes, il est suffisamment correct à ce stade-là, en tout cas. Que j'ai fait là, je vais faire la même chose ici, donc là je sais que le bout ça doit être de cette couleur là, donc là j'hésite pas, hein, je pose, c'est le but à atteindre, cette couleur là, voilà, comme ça j'ai une belle progression, je passe vraiment d'un rouge à un jaune puisque j'ai marqué mon jaune, donc il n'y a pas de doute, je vais atteindre le jaune, maintenant dilue un peu sur la partie du dessus là, et je mets un peu plus de rouge. Voilà, et je rajoute encore un petit peu plus de rouge dans le frais, vous voyez, tout ça c'est dans le frais, c'est ce qui assure mes teintes se mélangent, donc tout ça permet d'avoir un dégradé progressif sans se prendre la tête avec des kilos et des kilos de glacis ou de voilà. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je pense qu'il va être temps de travailler notre vert. Ça, on fera après, ça, tout ça, on peut déjà le faire, on va marquer vite fait, vite fait, vite fait, vite fait, on va marquer ça. Allez, c'est pas mal de l'avoir un peu clair, ce passage-là, là, parce que c'est les visages, et je pense que c'est bien d'attirer un peu le regard là-dessus, pour ma part. Donc, on va au moins les baser, déjà, et après, avec un jus, ça viendra... Ça viendra dessiner tous les micro-volumes là. Ici. Donc, pas inintéressant. Donc là, c'est une base, donc pareil. Hein. Je cherche surtout pas à être précis. Non, pas le moment. C'est pas le moment. Je pose la couleur. Point. Aussi. Voilà, dans l'intermédiaire, je vais prendre cette couleur là, ici. Voilà, pour faire un peu l'intermédiaire. Ici. Voilà, pour dégrader grosso merdo avec cette partie là. Voilà. Donc je tapote, je travaille dans le frais, vous avez vu. Ça, vous avez compris maintenant.
Voilà, donc j'essaye de faire une transition là entre mes différentes plaintes. Voilà, ici vous voyez, ça a marqué. Donc je vais essayer de faire la transition tapote en frais. Voilà. La transition, elle est progressive. Ce sera moins abrupte. C'est important d'être progressif parce qu'on voit bien que ces deux matières, là, ces visages et le bassin de l'araignée, là, je ne sais pas comment on appelle ça, ben tout ça, ça se mélange un peu, c'est pas très clair. Et ma peinture doit rendre compte de ça. Donc il ne faut pas que j'ai un passage soudain sur de la couleur chair. Il faut que j'ai une espèce de progression un peu là. Vous voyez, que ça se fasse un peu de manière progressive, comme le sculpteur a suggéré là. C'est-à-dire, on ne sait pas trop à la limite où commence la chair, où commence le bassin de l'araignée. Quand je dis la chair, c'est la chair de ses visages. Voilà. Donc, voilà, je le traduis en global. Vous voyez, c'est global, c'est pas dessiné, c'est pas détaillé. C'est du global. Qu'est-ce que je voulais voir? Attendez, hop, je vais regarder juste depuis combien de temps nous sommes là. Pouc, ça fait 1h31. Bon, est-ce que vous avez des questions, les copains? Alors, la CDC, il m'épate. Je sais pas s'il parlait de moi, parce que c'est le message qui est tout en haut, donc... Oh, ça devait sûrement parler de moi, je pense. Merci Elisabeth Isoro, ADC Model, pour nous rendre moins bêtes avant le dodo. C'était pas gagné. Ouais, parce qu'il y a quand même des mecs qui sont... Il n'y a pas que des gens très câblés hein, sur ma communauté. Hein. Je crois que si on faisait un test de QI, ça pèterait pas très haut. Hein. Non, on va être honnête. Moi le premier. Crustacé, insecte, ça me donne faim. Et bonsoir au passage. Bah écoute, régale-toi. Moi aussi, j'aime bien ça. C'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de moule, moi. Enfin, de crustacé, je veux dire. Qu'est-ce que j'ai pas dit sur le live? Oh, la boulette. En parlant de ça, Elisabeth Isdoro, est-ce que tu pourras me donner des conseils pour prendre des phasmes de mon fils en photo? Vous êtes parti loin, là. Sors-lui un pot de maillot, Benjamin, s'il recule de 20 pas, c'est qu'il y a un hic. D'accord. Ludique famille, oui, pas de souci, envoie-moi un MP sur le Discord. Eh ben, parfait, les gars, ben, c'est très bien. Enfin, les gars et les filles, hein, parce que voilà, on a au moins une fille, on a Elisabeth, j'en suis très fier d'ailleurs. Voilà. C'est peut-être pas la seule d'ailleurs, hein. S'il y a des filles là, sur le chat, n'hésitez pas à vous manifester. Zoz, tu es toujours over 9000 poteaux. Ben oui, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message, je découvre et je disais à tout le monde que j'étais surchargé et que je pouvais pas blairer ta gueule et que c'est, si j'avais bien un mec à qui je répondrais en dernier, c'est bien ta sale face de rat. Voilà. Ah mais je l'ai dit clairement, tu vois. Non, je plaisante, bien évidemment. Je découvre donc Mucino. Très bonne chaîne. Alors, pour le coup, les gars, si vous voulez du franc-parler et du sans-concession, je découvre, vous pouvez y aller. Il s'est un peu frité à un moment donné avec Léo, Leonidas Vesperini, c'était sur Reichbuster. Ouais, frité en gentleman, hein. Mais un peu tendax, parce que bah, je découvre, le livret de règles, il était un peu pourrave, et il l'a dit. Alors, il l'a dit avec ses mots à lui. C'était un peu, c'est de la merde, tout ça. Bon, c'était peut-être pas techniquement, il y avait peut-être un autre jargon qu'on pouvait utiliser, mais en tout cas, l'idée était là, et c'est vrai que le livret de règles, on va être honnête, hein, j'en ai discuté, moi j'ai pas le jeu, hein, Reichbuster, mais la première mouture, j'en ai discuté effectivement avec des gars qui ont le jeu, ils m'ont dit que c'était effectivement imbitable, mais au moins, voilà, vous savez que si vous allez sur cette chaîne, vous avez des analyses de jeu qui sont sans concession. Là, pour le coup, c'est clair et net, ça brosse pas dans le sens du poil. Si c'est bien, ça le dit. Si c'est pas bien, ça le dit aussi. Et c'est même, ça a même tendance à être peut-être un poil sévère, mais vaut mieux ça que trop coulosse. Et en plus, je découvre, bah, pareil, fait partie de ceux qui, quand j'ai commencé les lives, tout ça, enfin, quand j'ai commencé les lives, j'avais commencé un peu avant, mais en tout cas, voilà, m'ont aidé. Et effectivement, ce serait pas mal qu'on puisse refaire des trucs ensemble. Alors après, ensemble, on est loin. Donc, physiquement, ouais, on pourrait peut-être faire un truc à 3, 4, on verra. Mais pas simple, mais on voulait faire un truc sur la peinture et tout ça. Et moi, je suis toujours un peu débordé et c'est compliqué. Et là, effectivement, je le disais en début de live, je vais attaquer les formations là, pour la CCI qui ne vont pas arranger les choses. Donc ça va me rapporter des pépettes, hein, c'est bien, et puis ça me plaît. Mais niveau peinture, voilà. Alors ça va être un temps, parce qu'après, une fois que les formations seront faites, comme je le disais, ce sera plus que de la veille.
et les dispenser. Donc ce sera pour moi, en tout cas, moins consommateur de temps. Ça me permettra de reconnecter et peut-être faire des trucs avec Mucino. Voilà. J'avais peint par exemple des figurines pour Mucino qu'il avait eu la gentillesse de montrer dans son émission, ce qui m'avait permis de récupérer des abonnés. Et qui dit des abonnés, ben, ça peut être du Tipeee derrière, ça peut être des commandes, des cours. Donc c'est super, quoi. Super, super. Je visionnerai la suite en replay. Ben oui, vous savez qu'il y a toujours le replay. La finesse, toujours la finesse. Et oui. Donc moi, je vais continuer un peu, les gars. Mais vous pouvez aller vous coucher, hein, si vous voulez vous coucher. Si vous voulez... Ben oui, il y en a qui bossent. Je comprends, hein. C'est sûr, hein. Faut se lever, hein. Nous, c'est pareil. La petite, elle va à l'école. On l'a laissée dans ce truc-là. Là. C'est ça, l'école, ça, d'accord, l'école. Ah, faut qu'on l'accompagne, hein, c'est sûr. Alors, bon, là, on a fait ça. On a fait ça. Note vert, hein, on va commencer. Bon, ça, on fera pas la propreté là, ce soir de tout ça, de ça non plus. On s'en fout un peu, c'est pas le moment. Je vais reprendre maintenant. Alors maintenant, vous voyez, j'ai pris un pinceau un peu plus finache. Je vais faire 2-3 petites retouches sur ma pose de vert, notamment. D'accord. Bon, et bienvenue du coup, Mucino, hein, évidemment. Hein. Bienvenue sur ce live. Peinture. Et il fait un jeu, Capitaine Tsubasa. Donc Olivier Tom, hein, pour les franchouillards. Voilà. Alors, je suis pas grand spécialiste du jeu, hein, j'ai pas joué. Capitaine Tsubasa. J'ai vu une vidéo qu'il a fait sur son jeu, où il a expliqué un peu le fonctionnement, tout ça. Franchement, ça m'a l'air pas mal, assez cinématique. On retrouve effectivement beaucoup l'esprit. De Capitaine Tsubasa, je trouve, moi, dans les pouvoirs, dans tout ça, dans le rythme, dans la surprise, dans le côté pété, hein. Évidemment, c'est pas une simulation de foot à proprement parler, hein. Vous notez bien qu'il y a tous les pouvoirs, le tir, du machin et compagnie, et j'avais trouvé ça très sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, là, si ça vous branche, d'aller voir un peu. Donc je suppose que l'idée pour Mucino, ça va être de sortir le jeu, j'imagine. Hein, il pourra nous en dire davantage, peut-être. Mais j'imagine que c'est ça. Bon, je vous laisse, car demain, réveil à 4h45. Waouh, ben, bon courage, Mikadou24. Bon courage. Tu fais partie de la France qui se lève tôt. C'est beau. Je visionnerai la suite en replay. Je suis vraiment impressionné par la façon de faire les bases. Ben écoute, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, si vous prenez après. Pareil, donc bonne nuit, Elisabeth. Bon dodo. Et bonne nuit les copains, donc bon, il y en a qui vont se coucher, mais c'est normal, hein. Peut-être que je ferai, est-ce que ce serait peut-être mieux de commencer un peu plus tôt, je sais pas, une demi-heure plus tôt, c'est une bonne idée ou pas ça? Bon, on va voir, en tout cas, hein, c'est pas une bonne idée, hein. Ah, nous c'est compliqué, ouais. Non, c'est pas une bonne idée, elle dit ma femme, Clara Morgan, c'est ça, c'est Clara Morgan ma femme, ouais, bon, on voulait pas que ça se sache, mais bon. Tant pis, hein. Les gens sont au courant, tu sais, à l'heure des réseaux, Clara, c'est compliqué maintenant. Les gens voient tout. Hein. Donc, voilà. D'accord, Rocco. D'accord quoi, Rocco? Oui, non. Ah, mais ça, c'est vieux, ça. Je tombe plus dans ces films-là. Ouais, c'est moi. Bon, je me suis fait refaire le visage. Hein. Et puis avec la barbe, ça me change. Hein. Ça me change, j'ai pris un peu plus de poids aussi, mais oui. Zoran Sifredi, bah oui, c'est mon vrai nom. C'est mon vrai nom, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me suis mis à la peinture, après. Ouais, parce qu'à un moment donné, bah, la santé, on peut pas toujours... Moi, je peux pas donner, à un moment donné, le corps il dit stop, quoi. Hein, donc la peinture, les gars, je me suis mis à la peinture pour ça, vous avez compris. Mais il y en a qui m'ont reconnu, hein, je le sais. Je le sais, vous êtes des filous, le masque est tombé. Les talons serbes. Alors, elle est où ma base de peau, là? Voilà, on dit des conneries, on rigole. Ah, attendez. Fly, qu'est-ce qu'il y a? Rocco Minute Soup, qui c'est qui a dit ça? C'est qui là? Qui c'est qui balance. Salopard, va. Hank Guerrer. Tu vas me mettre. Tu me le dénonces tout de suite. D'accord? T'appelles la commission de répression du savoir-vivre. Hein. Qu'est-ce que c'est ça, Rocco Minute Soup? Attention, t'as de la chance que. Hein? T'as de la chance. Fais gaffe à toi, Rocco Minute Soup. Bon, c'est drôle, c'est vrai. Rocco Minute Soup. C'est un bon... Pas mal, ça, comme pseudo, ça. Rocco Minute Soup.
Ça pourrait être un pseudo d'un remake de film de genre, hein, vous avez compris. Hein. Film de genre. Ça fait longtemps que je n'en ai pas vu d'ailleurs. Alors, donc là, on va faire. Je refais une petite base là sur les visages, là, vous voyez, parce que c'est un peu grisouille. Un poil trop grisouille. Donc là, ça mérite un petit retour en base. Voilà. Lazoussi. Voilà. Bon, c'était une base, c'est normal. Hein. On ne pouvait pas non plus. Pas non plus faire la lune et les martiens. Là. Hop. Petit fondu. Tout ça. Là. Pareil. Petit fondu de tout ça. Et reprise de ma base bien franche ici. Voilà. Donc je fais un dégradé, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, cette masse, je l'analyse au global. Je ne l'analyse pas visage par visage. Surtout pas. Hein, règle générale, de The Studio. Hein, d'abord les gros volumes. Les micro-volumes, on s'en tape le coquillard. Voilà. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Alors maintenant mon verre. Pour aller chercher tous mes petits micro-volumes là. Je me ferai pas un petit lavis. Hein. Le respect est mort ici. Ben ouais, mais tu sais, il n'y en a jamais eu de respect ici, Mussilon. Toi, sur ta chaîne, je vois bien ta communauté, tu vois, qui est polie, des gens posés, respectueux. Moi, j'ai ramassé l'ali. L'ali d'Internet, elle est là, tu vois. Pff, si tu veux. Comme ça. C'est triste, mais bon. On a la communauté qu'on mérite, ce que vous voulez. Alors, on va se prendre un shade vert. Alors j'ai soit Sunshine, le machin comme ça là, ou il est où l'autre? Il est là. C'est quoi le mieux? Ça tire un peu vers le marronasse, non? J'ai l'impression. Oh, j'hésite. Atonashian ou Green machin? Je pense plutôt celui-là, moi. Donc ce sera le Built-in Green. Donc là, les gars, on va se faire un petit coup de... Voilà, on va essayer de faire un peu le vert, hein, d'avancer un peu le vert, vous avez compris. Moins, ils sont nas, qu'est-ce qu'il dit? Je mets ça sur le compte de mon grand âge. Ah, t'es vieux, oncle Grégor? Eh ben, tant pis pour toi, fallait pas m'insulter. Donc, oncle Grégor, excellent. Non, c'était très drôle. Allez, lâchez-vous, les gars, moi, j'aime bien tout ça. Je découvre, c'est ça d'être avec le peuple à plaie, on s'embarrasse pas de chichi. Eh oui, le chichi. Chichi, je mets ça, hein. Mais ils sont sous la menace. Je prends que des sans-papiers. Mais ouais, je découvre, mais j'ai compris comment tu fonctionnais. Ouais, c'est ça, faut les tenir, les mecs. Parce que sinon, ça part en quenillette. Moi, j'ai pas de modérateur. Si, il y a Christian qui est modérateur, mais il dort. Non, il est là. Ah non, ça va, il est là. MDR. Christian, je sais que Christian, il modère. Soi-disant qu'il fait quelque chose. Je suis pas sûr qu'il fasse grand-chose, personnellement. Ouais. Tu avais dit que Rising Sun n'était pas pour les débutants, mais je ne t'ai pas écouté. J'ai craqué, je l'ai commandé. J'essaierai peut-être un aspect inachevé, style Gustave Moreau. On verra bien. Je ne comprends pas tout à cette phrase, pseudonyme. Et quelque part, ça me plaît. Ça veut dire que tu es à ta place, ici. C'est bien. Pas tout compris à ce que tu as voulu dire. Oui, que c'était pas pour les débutants. C'est pas que c'est pas pour les débutants. Le jeu ou la peinture, tu veux dire? Parce que le jeu, je le connais pas, moi. La peinture, elle est oui, elle est tendance. Enfin, pas pour les débutants. On s'en fout, débutant, pas débutant. Vous avez du Rising Sun, peignez-le. Ce sera mieux que de garder le truc en plastoc. Hein, pour, voilà, à un moment donné. Mais c'est vrai que c'est pas forcément. Il y a plein de micro-détails, quoi. Voilà. Si tu veux chiader la figurine, mais après, t'es pas obligé de la chiader, hein. Tu peux faire un peu des couleurs de base comme je fais moi, un petit jus, ça marche. Hein. Regardez, là je prends le Belgian Green, et là pareil, hein, faut être soigneux. Voilà, d'accord, voilà, comme ça. Hein, faut être soigneux, vous avez vu? Le soin, les gars, le soin, toujours. Parce que si vous n'êtes pas soigneux, ça va faire n'importe quoi. Vous voyez bien, c'est important. Allez, vous voyez bien? Mais mec, tout est étudié, là, chaque coup de pinceau, il est mesuré, il est... voilà. Mais bien sûr que non, les gars, là, il faut y aller. Là, c'est du lavis, donc la règle du lavis, c'est je lavite. Un V, hein, je lavite. Pas je... Voilà, donc on met du lavis.
un peu partout, voilà, comme ça, voilà. Hein, on en met, on n'hésite pas, et on peut orienter son jus, hein, sur Clara, la figurine, hein. On pose du jus sur Clara, là, comme je le fais, et on oriente son jus dans les creux de Clara, d'accord. Oui, mais j'explique, c'est didactique, ce que je fais. Donc là, voilà, voilà. Et vous voyez comme ça vient chercher les micro-volumes, là. Hein, c'est pas merveilleux, ça. On gagne un temps fou, là, vous avez vu. Ça ne nous empêchera pas après, si on veut, si on est joueur, d'aller nous accentuer certains creux. Peut-être plus d'aller chercher des lumières que d'accentuer certains creux, pour être honnête. D'accord. Donc là, vous voyez, on gagne un temps fou. Quand ça déborde, nos problèmes, je prends mon pinceau, je décharge et j'enlève. Car mon pinceau me sert à poser la peinture, mais il me sert aussi à l'enlever. Hein, vous avez retenu ça. Je le dis tout le temps. Voilà. Bon, ben voilà, c'est fait. C'est fait. Le verre, il est un peu... Voilà. Donc là, c'est bien parce que, vous voyez, l'idée, c'est que c'est aller chercher tous mes petits creux sans que je me casse la tête. Et comme moi, par en dessous, j'ai été malin, j'ai anticipé le truc, je me suis fait un dégradé progressif un peu clair, un peu... Voilà. Ben voilà. Hein, le truc qui est quasiment fait, quoi. Le verre. Un peu, les gars. Hein, on peut dire que... Hein, qu'est-ce que vous en pensez, là? Hein, c'est quasiment fait. Mais... On va pousser le chichi plus loin, nous. Le bouchon. Je vais pas parler de chichi, quand même, tout le temps. Là, j'ai fait une grosse auréole, vous voyez. C'est pas grave, on s'en fout. C'est la vie. C'est la vie, et non pas... C'est la vie. Alors. Bon, si j'ai fait une auréole, allez, hop, je la recouvre. Ouais. Faut être soigneux. Voilà, on recouvre, comme ça. Donc ça, c'est fait. Ce qu'on peut faire, si on faisait la même chose avec du rouge, là, hein, vous en pensez quoi, les gars? Ah oui, bien évidemment. Le même temps qu'on a gagné sur notre costume vert, on va le gagner sur notre araignée rouge. Eh oui. Et si on est même malinou, avec un shade un peu genre Reckland Face Shade, on va aller chercher l'ombrage ici, là. Hein, un peu dans le bas. Non, peut-être pas, c'est trop tôt. Trop tôt, là, vous voyez, pour bien faire, parce que je suis un peu trop impatient, il faudrait que je fasse ça, là, quand même, avant. Et je le fais, d'ailleurs, vous voyez. Pour bien faire, il faudrait que je fasse ça, et je le fais. Bon, vous avez vu, depuis le début, là, j'ai utilisé qu'un pinceau One Again Beast to Fly. Hein. Donc, pareil, hein. Les super beaux pinceaux, là, ça, les super beaux pinceaux, c'est pour aller chercher les... Les détails, mais pour faire un travail au global comme on fait sur sur la majeure partie de la figurine, là, on n'a pas besoin d'un beau pinceau, hein, vous voyez. Voilà. Ouais, c'est pour. C'est pas le pinceau qui fait rêver, hein. On a vu des bouts autrement plus sexy. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça, on n'a pas traité. Bon, on traitera un peu plus tard. C'est pas très grave. Pas très grave, on s'en fout. Vous voyez, c'est pas très grave. Hein, il imite quelqu'un, regarde. C'est pas très grave. On s'en va, on s'en fout. Les politiques, hein. T'as trouvé? Bedos. Oui, Bedos. Putain, j'imite Bedos. C'est bon, ça, j'imite Bedos. C'est pas très grave. Attendez, les politiques. Ah non, je l'ai perdu. Ouais, tu l'as perdu. Quand j'avais fait, comment? C'est pas grave. Hein, les politiques, hein, ils nous emmerdent. Ouais. C'est un peu ça. Un peu ça. De loin. Hein. Ah non, de loin. Guy Bedos, il a trouvé Enguerrand parfait. Ah, tu vois, c'est que je l'imite bien, tu vois. Qui c'est que j'imite bien d'autre? La voisine, mais personne. Ah oui, j'imite bien la voisine. Mais on s'en, vous en foutez ou j'imite bien la voisine? Ah, parce que là, comment ça grave? Ah, mais c'est trop fort. Ah ouais, elle dort, la petite. Parce que la voisine, pour l'imiter, il faut un peu gueuler. Elle est très gentille, hein. C'est jamais, elle regarde peut-être le live. Elle est très gentille, hein. Si tu regardes le live, je t'embrasse, ma voisine. Je couche avec ma maman, mais pas en courant. Je couche avec la voisine.
ne se moque pas des défunts, je vous prie. C'est vrai qu'il est mort, Guy Bedos. C'est triste. Triste, c'est toujours les meilleurs qui partent. En premier. Guy, si tu m'entends. Lâche-les. Si tu m'entends, Guy. Reviens-nous. Les politiques, on les emmerde, là. C'est pas, tu vois, c'est pas parfait, hein. Non. Mais c'est pas loin, quand même. Moi, j'aime bien la voisine. Ouais. Ah, il connaît la voisine aussi. Il connaît notre voisine. Ah, ouais, wow, Christian, ça, c'est... Sa réputation n'est plus à faire. Hein, Christian? Oui. Oh, oui. Mais c'est pas la même voisine qui connaît. Oui, c'est pas la même voisine. Bon, bah, tiens, c'est... Si on devait s'intéresser à tous les endroits où Monsieur Christian trempe son... Ah bah oui, bah alors là, on s'en sortirait plus. Hein. Excusez-moi, mais... Bon. On l'a fait, le corps de cette araignée, là, de faire les cons. Alors, regardez. On met un peu de... Allez, hop, là, ça va chercher les creux, les gars. Mais oui, hein, magie, ça va chercher les creux. Et comme on a fait... Déjà, putain, il y a ce fil qui m'emmerde là. Casse-toi, pauvre con. Hommage. Oula, j'ai vu ce que ça fait là. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On décharge, on enlève, parce que le pinceau sert à poser la peinture, mais il sert aussi à enlever. Tiens, il manque un peu de peinture là. On le remet. Voilà. Alors, bon, là, on va essayer de un peu. Voilà. Vous voyez, aux endroits où ça charge un peu trop. Exemple, imaginons je fais ça. Je fais un, je peins et oh là là, boulette. Mais non, les gars, il n'y a pas boulette du tout. Je trempe mon pinceau dans l'eau. Voilà. Hop. Voilà. Il ne reste plus rien, pratiquement. Voilà. Donc, on y va. On pose nos jus, on pose nos couleurs. On ne fait pas le timide. Parce que quand on fait le timide, on n'avance pas. Et c'est là... On n'a pas des beaux éclaircies. Une belle progression de lumière, on n'a pas tout ça. Si on est trop timide dans la peinture, je rote beaucoup. Hein. Ouais. Tiens, c'est parce que sûrement que ce que je mange ne doit pas être de qualité. Ouais, on te fait un peu. Bon, voilà. Ça y est, voilà. Ça y est. Moi, j'essaie d'être gentil. Et puis voilà. Alors, je suis reparé sur les papates. Et non, on a mangé une... C'est la reine de la quiche, hein, mon cœur. C'est vrai, hein. On fait des très bonnes quiches. On a un four qui fait des quiches. Si vous pouviez goûter les quiches de notre four... Oh là là, oh là là, oh là là. C'est un truc... c'est d'un autre monde. C'est vachement bien fait, leur truc, là. T'as un programme, là, tu mets ton... Mets ton machin dedans... Hein. Tu fais ta préparation et c'est carton, quoi. T'es sûr que c'est bon. Alors, je vais remonter un peu la caméra. Parce que mon cul du pinceau, il tape dans la lumière. Et du coup, vous comprendrez bien que ça me gêne. Hein, vous êtes malin. Voilà, donc là, je fais mes papates. Le but, c'est quoi, là? Bah, c'est que ça aille chercher les creux tout seul. Vous voyez, voilà, vous avez tout compris, vous. Vous avez tout compris parce que vous êtes des gens malins. Malinx, le lynx. Voilà. Hop. Là, regardez, on met de la peinture ici, c'est pas compliqué, bordel. Oh, putain, je l'avais mieux hein, tout à l'heure. Hein. Faut que je m'enregistre quand je le trouve parce qu'après, c'est compliqué de le retrouver. Là, les politiques, là, ils m'emmerdent. C'est bien, là hein? Ouais, elle dit que c'est bien, mais bon. Elle dit que c'est bien, mais je sais que c'est pas bien. C'est ça, c'est parce qu'elle m'aime, elle dit que c'est bien, mais... Pff. On sait que c'est pas bien. Vous savez, vous, que c'est pas bien. Alors là, j'ai pris du Reckland pour faire le même shade mais sur le bout parce que j'ai pas la même base donc oui bah oui, je suis obligé d'utiliser, c'est les termes de peinture hein, je te ferai dire hein. Donc
Donc je mets du réclin de flash shake sur mes bouts là. C'est quoi? Oui, du réclin de flash shake sur mes bouts. Voilà, je mets du réclin de flash shake sur mes bouts. Voilà. Parce que c'est pas la même couleur. Donc si je viens avec mon truc là, ça va un peu éteindre mon jaune. Donc je privilégie plutôt le réclin de flash shake. Voilà. Donc tout ça, voilà, ça commence à se marier, à se noyer. Il faut attendre que ça sèche tout ça. Alors qu'est-ce que vous dites comme bêtise? On ne se moque pas des défunts. Hein, moi j'aime bien la voisine. Christian, bah oui, ça ne m'étonne pas. Pseudonyme, François Piqui. Les références culturelles, c'est seulement pour mettre en valeur les allusions au jus et au pinceau qui déchargent, qui sont le véritable sel de ces lives. Tout à fait. Voilà, pseudonyme, t'as compris. C'est pas la qualité du peintre qu'on cherche, c'est la poésie. C'est le... Voilà. Ce qui est extraordinaire. Ah, c'est Lucini, ça, regarde. Ce qui est extraordinaire dans la peinture. Hein? Tu vas les saouler. Mais non, je les saoule pas. De toute façon, s'ils sont saoulés, ils se cassent. Tu veux être pas content ou casser. Voilà. Tiens, paf, une crotte. Comment elle fait, Lucini? C'était que ça. C'est savoir ou comprendre l'important chez l'homme. Non, c'est, je l'ai pas. C'est dur, Lucini. C'est dur. Je m'entraînerai. Alors, c'est si gentiment proposé plutôt que des pizzas au sel. Elle vomit beaucoup, la reine de la quiche. Pff, là, on les a perdus, mon cœur. Laisse tomber. Il y a des fois, mais ça arrive souvent, ça. Il y a moi, des fois, je suis largué. Des fois, je prends le truc en cours, t'as l'impression de tomber, tu sais, dans une réunion d'alcooliques et que les mecs, ils sont déchirés. T'es arrivé en fin de soirée et que tu te dis, mais les gars, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, je bois pas, tout va bien, ça fait un mois que j'ai arrêté, je suis super content. Je sors en bas, je prends un paquet de clopes, je remonte et tout le monde est déchiré. Voilà, bah, c'est la sensation qu'on a là dans le live. C'est exactement ça. On dit qu'il a tout compris. Voilà, tout le monde est déchiré. Entre voisins, voisines, on se titille la figue. Ben voilà, ludique aussi, alors qu'il était un mec un peu correct encore, on l'a perdu aussi, et il a suivi les autres, évidemment. Voilà, alors que c'était quelqu'un moi, sur qui je comptais, vous voyez, je me disais, voilà, ludique, quand même. Bah non, non. Non, c'est bas du front, là. C'est bas du slip. Bon, ça sèche ou pas, ma connerie, là? Mais la toute, il a dit, je pense juste qu'elle veut la paix. Qu'elle veut la paix? Qui ça qui veut la paix? Ben moi, c'est pour ça que je te disais que c'était bien. Oh, suis tes blagues! Ah, tu dis que veut la paix parce que c'est... Ah ouais? Tu dis tellement de conneries que t'arrives même plus à suivre. Tu serais capable de me dire que c'est bien? Pour avoir la paix? Pour avoir non, la paix? Jamais de la vie. Ah oui? Des fois, tu me dis qu'est-ce que je fais, c'est bien, pour que je te laisse tranquille, c'est vrai? C'est vrai, des fois, je fais ça? C'est vrai? On dirait ta fille. C'est vrai, des fois, je fais ça? Je le fais bien. Ça, c'était une imitation de ma fille. Oui. Je la fais bien, ma fille. Alors là, donc, du flash shade. Donc, du flash shade, pourquoi? Parce que c'est un peu des visages que j'ai en dessous, là. Ça vient un peu se mélanger dans le rouge. Ben, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ça me fait la progressivité que je cherche, vous voyez. Ça va chercher tous mes petits creux. Parce que si c'est moi qui allais les chercher, les petits creux, là, sur une figurine comme ça, Clara, elle est bien gentille, mais... Je vais pas aller taper tous ces creux. C'est long. Pas que ça ferme. Pas taper tous les creux de Clara quand même. Donc voilà. On fait que les. Hein, voilà, c'est bien. Alors, et là, vous voyez, c'est sombre. Si j'utilise du rouge là, ça va pas marcher. Là. Vous voyez, bah, vous voyez pas, parce que je fais un live de peinture et je montre pas ce que je pense, ça n'a aucun intérêt. Donc on va prendre un truc un peu plus sombre. Et pourquoi pas. Du Agrax. Je suis un dingue. Je prends de l'Agrax. Ça, c'est du Glox. Alors oui, tiens, petite question. Est-ce que quelqu'un sait la différence? Enfin, je la devine, mais bon, du coup, la différence... Ah, c'est écrit à l'envers. Oui, je sais. Bon, je vais vous lire. Entre l'Agrax Earthshade et l'Agrax Earthshade Gloss. C'est quoi la différence? Je pense que la différence, c'est que celui-là est brillant. Si celui-là est brillant, deuxième question, à quoi ça sert? Puisque comme c'est censé aller dans les creux, ça, là, et donc ombrer la figurine, si on a une ombre qui brille, c'est quoi l'intérêt, si ce n'est faire de la merde? Là, c'est un mystère, là, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi peut servir ce truc-là.
J'ai pas regardé sur internet, vous me direz, mais voilà. Donc, si quelqu'un a la réponse dans le live, il aura ma reconnaissance éternelle. Je sais pas à quoi ça sert, un grec sur shade avec du gloss. Alors là, mon gars, je comprends pas. Là, on m'a perdu. Donc là, je me sers de la Grax Earthshade pour aller chercher mes creux du dessous. Parce que mes creux du dessous, étant donné que j'ai déjà une peinture sombre, si je vais chercher ces creux avec un shade qui n'est pas assez sombre, bah, ça va carrément pas marquer, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, donc je me sers de cette Grax Earthshade, puis en plus, ouais, ça porte un peu de variété, c'est pas plus mal. Ça ajoute un peu des tonalités aussi, donc voilà, on peut y aller. Hein. Vous savez, faut pas hésiter à se mélanger. Voilà. Bon. Mettre un peu là, tiens. C'est pas mal la Grax Earthshade, là. Allez, tiens, j'en mets un peu là aussi. Sur le cul, hein, la bébête. Hein, voir un peu ce qu'elle. Ça fait, ça fera des petits ombrages marronnasses. C'est pas inintéressant, ça. Peut-être quelque chose à faire avec ça. Voilà, allez, donc là, c'est fait. Là, c'est fait, il faudrait faire sécher un peu tout ce bousin pour continuer à bosser, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que là, là, il n'y a rien qui est sec, quoi. Donc je suis un peu pensé, quoi. À un moment donné, je suis un peu coincé. Donc, je vais faire sécher un petit peu l'histoire. Je pose ça là. Voilà. Qu'est-ce que vous dites de beau. Et oui, sèche-cheveux, bah oui, on va être obligé. On va être obligé, les copains. Le sèche-cheveux. Ah, il y a des fans. Ah, du sèche-cheveux. C'est vrai que je le fais bien. Gloss égale brillant. Bah oui, ouais, c'est ça, François. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt? Puisque ça va se glisser dans les creux. Donc l'intérêt, ce serait d'avoir les creux de Clara qui brillent. Je comprends pas. Eh ouais, le gloss, ça brille, c'est ça, donc je comprends pas. Des métaux? Ah, tu crois que c'est pour faire les métaux, Noob Mini Painting? Ouais, peut-être pour satiner? Ouais, mais à ce moment-là, plutôt en glacis, alors. Donc, c'est pas un shade, alors, mais pourtant, il y a marqué shade. Ça me turlupine, moi, cette histoire. En un mot, hein. Ouais, peut-être pour des carapaces brillantes. Ouais. Allez, bonne nuit, je verrai la suite en rediff. Finissez bien. Bah, bonne nuit, Benjamin, et bon courage à Mamzoz, car ça doit pas être facile tous les jours. Et moi, j'ai pas du courage, vous croyez? Parce que vous la connaissez pas, là. Vous connaissez pas le loustic, là, à côté. Pas facile tous les jours. T'es quoi? Un ange. Un ange. J'aurais mieux fait de me péter une jambe le jour où je l'ai rencontré. Bon, alors, on va faire un coup de sèche-cheveux. Non, mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? On ne jette pas l'objet. D'accord? Parce qu'il y a des crans là, ça coûte cher tout ça. Je m'en fiche, de toute façon, je couche avec la voisine. Allez. Tiens, ben, je vais en profiter parce que il m'est arrivé un truc il n'y a pas longtemps. La toile de tente, elle allait lâcher. Oui, parce que si forcément, moi, je vais dans un sens, avec le sanglier en face, ça, parce que la bête, elle était là. Thank you.
du temps à me calmer après. Hein. Bon, c'est un peu plus sec déjà. J'ai de la micro-texture. On est pas mal. On est pas mal, mais faudrait que ça s'échasse encore un petit peu. Alors, il y a un petit côté satiné quand les encres s'accumulent, c'est tout à fait normal, mais c'est pas très grave, parce que ça, une fois qu'on bombe avec du vernis mat, ça disparaît. Donc, bon, voilà. Je me demande, les gars, si on va pas refaire un petit passage d'encre verte. Je me demande. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que j'ai envie d'accentuer un peu mes ombrages verts. Mes creux verts, là, vous voyez. Donc, on va se refaire un petit passage, là. Ouais, un petit passage, là, comme ça. Petit passage, comme ça. Alors, astuce. Ça peut être intéressant, là, de laisser sécher, des fois, un peu en bas, vos trucs, pour que vos encres continuent à aller chercher ces creux du... Continuent à ombrer les creux, même en partie supérieure, là, vous voyez. Ici, tout ça, là. Voilà. Parce qu'évidemment, une fois que vous posez votre figurine et que vous laissez sécher le truc, ben, l'encre elle a tendance à descendre. C'est un peu normal. Ça s'appelle la physique, les gars. Donc, pour lutter un peu contre ça, c'est pas inintéressant de faire sécher comme ça. Il y a un peu à l'envers. Là. Vous voyez rien de ce que je fais. Je suis désolé. Vous voyez rien de ce que je fais. Donc, on va mettre un petit coup là. L'encre. Voilà, là aussi. Là. Là. Voilà. Petit coup un peu partout là d'encrounette pour faire un peu sécher tout ça et on va se faire un petit coup de sèche-cheveux mais en tenant la figurine un peu vers le bas histoire que par capillarité vous voyez que mes ombrages ils restent un peu stackés là-haut là mon vert foncé hein, dans mes creux du haut là voilà. Un peu comme ici. Voilà, allez, on se fait ça. Donc, tête en bas. Pas moi, la figurine. Et sèche-cheveux. Vous avez cru que la vidéo elle a bugué là. Hein? Je le fais bien. Hein, je crois que la vidéo elle bug. Parce que tu vois, je m'arrête comme ça, je fais genre comme ça, je fais. Et les gens ils croient que la vidéo elle s'est arrêtée. Alors. La chitine est une molécule de la famille des glucides et de formule, la chitine est un polysaccharide azoté issu de la polymérisation de... Non. Faut mieux entendre ça que d'être sourd. T'as raison, Chris. Bon, bah au moins, c'est précis. Hein. Non, mais là, on voulait une réponse, on l'a. Hein. Merci. Merci pour ce point culture... ADC Models, merci beaucoup. Mais oui, on dit chitine ou chitine, j'ai jamais su. Ah, chitine ou chitine. Chitine ou chitine. Ouais, parce qu'il y en a qui disent chitine, c'est vrai. J'ai déjà entendu, moi, ça. Ah, je ne sais pas. Sortir sa science de nos jours n'est pas toujours bien vu. Tout ça, oui, tout ça. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux. Mais t'as raison, ADC Models, à un moment donné, toi, t'es câblé, t'es intelligent, bah tant pis, si les autres, c'est des imbéciles... Il peut rien, nous, hein. On peut pas... Voilà, donc ça, c'est bon. Alors maintenant, on va travailler un peu notre vert, vous allez voir. Alors, comment on va faire? On va reprendre du vert, celui-là, là. D'accord? Goblin Green. Et on va essayer de retrouver, maintenant, de la luminosité. Donc, on va apporter de la lumière. D'accord? Puisque, évidemment, notre jus, le jus qu'on a fait sur Clara, a tendance à un peu... faire disparaître un peu la lumière, hein, forcément, parce que certes, il va se concentrer dans les creux, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'épargne pas pour autant les volumes.
Donc, déjà, premier éclaircissement. Bah, avant d'éclaircir, je reprends la base. Donc là, voilà. Je vais bien sûr m'intéresser ici. Alors, attendez, comment on peut faire pour que vous voyez bien? Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. On va le faire sur cette partie-là, vous voyez? Sur cette manche-là. Donc, cette manche-là, donc, on va aller chercher, hop, ici. Ici. Vous voyez, là. Ici aussi. Et on va faire, voilà, remonter la lumière un peu progressivement ici. Là, ici, elle vient se poser là. Voilà. Donc là, alors on va travailler cette épaule là. On va essayer de bien le faire. Voilà, là, ici, là. Et on va se concentrer, bien sûr, ces valeurs claires là, sur notre manche là. Donc là, vous voyez, là, c'est fini. Bah, fini la rigolade, en gros. Hein. Là, on n'est plus en train de faire les kékés. Là, on s'applique. On est avec le pinceau. On est dans la précision. On est obligé. D'accord. On est obligé là, d'être dans la précision. Et là, il faut que je marque tous ces volumes-là qui vont créer le contraste, du coup, de manière assez intéressante avec mes creux que j'ai ombrés. Donc, voilà, tous ces volumes-là, là, je les marque. Voilà. Ici, ici. Là, ici. Bien évidemment, là aussi. Et là, je les marque. Voilà. Ici aussi, bien évidemment. Voilà. Et je vais me faire un mélange de mon vert et de mon vert clair, donc qui est le Goblin Green et le Dark Angel Green. Où là, je vais pouvoir éclaircir, mais les parties un peu plus basses, mais avec moins clair, quoi, puisque c'est un peu plus bas. Donc, vous voyez, donc je vais venir les taper avec ces couleurs-là. Voilà, cette couleur-là qui est un vert un petit peu plus éteint. D'accord, les copains? Est-ce que vous avez compris, les copains? Dites-moi si vous n'avez pas compris. Mais je pense que vous avez compris, puisque vous êtes des gens malins. Malinx le lynx. Voilà. Donc là, voilà. Donc j'apporte de l'éclairci ici. Après, je m'arrête. Hein. Je traite ça en volume. Hein. Je vois bien qu'ici, voilà, le volume, il est là, il est présent. Là, il est là. Là, ça disparaît. C'est un volume qui est un peu dans l'ombre. Donc celui-là, je m'en occupe pas. Je le laisse tranquille. J'hésite pas à faire plusieurs passages. Et je vais prendre un verre qui est plus ou moins vert Goblin, plus ou moins c'est Caliban Green, je vous dis n'importe quoi, vous voyez, puis tout à l'heure je vous parle de Dark Angel Green, mais c'est Caliban Green. Donc un vert qui va être plus ou moins Goblin Green, celui-là, là. Évidemment, lui, que je vais concentrer là, hein, sur le dessus. Hein. Voilà, c'est mon vert le plus pétant. Donc j'hésite pas, c'est pas avec un passage qu'il aura marqué avec sa force véritable. Voilà, le vrai Goblin Green, il va commencer à apparaître à force de passage, hein, puisque c'est qu'un filtre. Hein. Donc, évidemment que, en premier lieu, voilà. Alors, quand je cherche à marquer des plis comme ça, de manière précise, j'ai pas une peinture diluée. Parce que je cherche à marquer. Voilà. Par contre, quand je vais descendre un peu dans des parties où je veux que ça soit un peu plus éteint, vous voyez, ben là, je vais travailler avec une peinture un peu plus diluée. C'est-à-dire que, vous voyez, je décharge mon pinceau sur le coin de ma main. Je rajoute un peu d'eau, un peu de salive, par exemple. Voilà. Il faut que je me fasse un mélange intermédiaire entre ça et ça. Voilà. Ouais, il faut que je me fasse un intermédiaire. Je vais me faire un intermédiaire, les gars. C'est-à-dire, il faut que j'ai sur ma palette Goblin Green, Caliban Green et l'entre-deux. Parce que sinon, ça m'oblige à faire des mélanges incessants. Si j'ai mon entre-deux déjà sur la palette, je gagne du temps. Alors, la réponse, c'est 42. Ah, mais ça, c'est le secret de l'univers. Excellent. Excellent. Et oui, c'est vrai. Je vois qu'on a de bonnes références sur le chat.
Sortir ça, l'air, exactos que je voulais dire. Mais c'est pas la réponse qui compte, l'important c'est la question dans la réponse, c'est 42, tout à fait. Mais chez Jeux Studio, la réponse est toujours 69. Oui, bien vu. Oh là là, et ça vole. Oh là. Là, on est. La pseudonyme, on est dans le. Ah, oh, on est dans le haut level. Dans le haut level de la Black News. Là. On est bien. On est dans le haut level de la Black News. Alors, attendez, les copains. Voilà. J'ai mis trois verres là. Je vous montre un peu. Touk, palette. Mon Caliban Green. Mon entre-deux, Caliban Green, vert Goblin. Et mon vert Goblin. Et je vais taper un peu dans l'un, dans l'autre, en fonction de où j'interviens. Là, ici. Par exemple, sur cette manche-là. J'interviens sur la partie supérieure. Partie supérieure, pas trop de questions à se poser. Selon l'éclairage zénital, vert. Vert Goblin. Ça, vert Goblin. Ça, vert Goblin. Ça, vert Goblin. Ça, vert Goblin. Après, on disparaît un petit peu. Dans les volumes un peu inférieurs. Donc là, c'est parallèle à la lumière. Donc, mélange vert gobelin et Caliban Green, tout simplement. Et là, je suis sur un volume inférieur qui ne prend pas la lumière. Donc là, on peut dire, allez, à la limite, Caliban Green pur. Vous voyez, pof, ce creux-là, par exemple, ce creux-là. Ce creux-là, voilà. Celui-là. Celui-là. En plus, j'ai ma base sombre en dessous, vous voyez. Donc, il restera toujours un peu marqué. Et quand j'ai des creux, même en partie haute, qui sont très marqués, bah, j'hésite pas à les marquer directement avec mon Caliban Green. Pourquoi pas, hein, s'ils sont vraiment marqués, ces creux. Voilà. Donc là, j'ai déjà un dégradé sur mon drapé, vous voyez. Ici. Je ne sais pas si vous voyez bien un peu l'histoire, là. Qui commence à se faire. Bon, bah, je vais faire pareil sur ce drapé là, hein, ici, qui intervient. Donc là, Caliban Green, Caliban Green, Caliban Green. Je suis sur le dessus. Hein. Voilà. Allez, je fais descendre un peu mon Caliban Green. Je vais venir taper maintenant dans mon vert intermédiaire. Je chevauche un peu mon Caliban Green histoire de le fondre en même temps. Et je vais venir ici traiter ces volumes là. Voilà. Je m'arrête là. Pourquoi je m'arrête là? Parce qu'après, le tissu, vous voyez, il disparaît dans l'ombre. Ici, il y a un tac, une cassure au niveau de l'exposition à la lumière. Donc, allez, je reprends un verre comme ça, par exemple. Et je vais venir traiter ici. Après, ça ne m'empêche pas, avec un petit Caliban Green ici, de reprendre certains des plis, par exemple. Voilà. Tac, tac. Ici aussi, voilà, mais bon, de manière un peu plus informelle, je le fais pas partout. Je fais quelques petites touches comme ça parce que, comme c'est le bas de la figurine, je veux quand même que ça reste sombre et que la lumière se concentre vers le haut de la figurine. Je vais essayer d'améliorer un peu l'exposition, peut-être, pour que vous puissiez bien voir. Bon, je pense que vous voyez bien, cela dit, mais peut-être qu'en améliorant l'expo, ce sera encore plus visible. On va voir. Exposition. Hop, c'est pas mal comme ça, non? C'est un peu plus clair pour vous, je ne sais pas. Hein? Allez, on va rester comme ça. Donc vous voyez là, on a traité nos éclaircies lumière sur le tissu. C'est subtil, c'est pas mal. On pourrait s'arrêter là pour l'éclaircissement, le traitement des éclairages. Après, on peut encore rajouter un degré d'éclaircie, hein, bien évidemment. Voilà, alors je continue ce travail là, ici. Là, ici, Caliban Green, hop, Caliban Green ici. Voilà, tous ces micro-volumes là, vous voyez que je récupère là, hop, petite dose de Caliban ici. Là aussi, là, 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 là. Voilà. Donc je ramène de la lumière un peu sur tous ces trucs là. C'est, je pourrais mettre du Caliban Green, mais c'est intérieur, donc on va quand même peut-être pas taper jusqu'au Caliban. Donc on va l'éclaircir, mais avec un Caliban mélangé avec mon vert pour l'éteindre un petit peu, hein, avec mon vert foncé là. Voilà, voilà, comme ça je le fais apparaître, mais je reste un peu discretos parce que c'est quand même dans l'ombre.
Voilà. Voilà, puis je continue comme ça. Mais vous voyez que c'est des petites touches, parce qu'en fait, le gros du travail, ben, vous l'avez compris, il a été fait avant. Et pas forcément en détail, en plus. Hein. Vous avez vu que c'était de la préparation, ce qui me permet là d'être un peu plus easy sur, ce traitement-là. Voilà. Alors là, pourquoi je mets quand même des touches là assez franches de Caliban Green, parce que j'ai certains volumes, vous voyez, avec des plis de tissu qui carrément se mettent perpendiculaires là à la lumière. Donc là, bah, pas de raison, hein. C'est perpendiculaire à la lumière, donc ça vient prendre ici directement la lumière, donc vert clair. Voilà, hop. Et dès que je suis sur des volumes un petit peu plus inférieurs, voilà, je passe sur ce vert-là. Voilà, ça me permet quand même de surligner, vous voyez. Ici, là, je peux toujours faire mes arêtes aussi, mes bords de manche. Là, c'est au-delà de la pose réelle de lumière, c'est plus pour gagner en lisibilité qu'on va faire ça. Donc je vais le faire un peu partout là, les bords de manche, je sais pas si vous voyez bien. Donc là j'essaie de positionner ma figurine de manière à ce que j'ai juste à passer mon flanc de pinceau et mon travail il est facilité, vous voyez. Voilà. Là ici, tout ça là, hop. Caliban, enfin vert clair, quoi, vous avez compris. Donc tous ces volumes-là, là, ils sont quasi perpendiculaires à la lumière. Donc je mets des petites touches. Très claires. Voilà. De mon vert clair pour faire apparaître ces volumes-là. Voilà. Après, je suis pas obligé d'être hyper juste dans ma pose de lumière. Hein. Je peux aussi décider de juste surligner les plis. Bon, moi je préfère quand même rester cohérent dans la pose de lumière, mais si vous trouvez ça compliqué, vous pouvez faire plutôt le style Evil Metal qui consiste lui à partir du moment où j'ai une bosse, je mets un éclairci, à partir du moment où j'ai un creux, je mets une ombre. Bon. C'est une autre école de peinture, ça obtient de beaux effets, hein. De toute façon. La plupart des figurines sur lesquelles vous vous cassez les yeux chez Games, elles sont peintes dans un style heavy metal. Hein. Donc on n'a pas forcément besoin d'être hyper juste dans ces poses de lumière pour que ce soit efficace. Mais il faut quand même le contraste. Voilà. Moi j'aime bien quand même avoir une pose de lumière qui soit assez, assez juste. Bon, parce que c'est mon style de peinture que j'aime et que j'adore. Mais, enfin, blague à part, que j'aime et que j'adore, on s'en fout, mais... C'est en tout cas moi comme ça que j'ai appris, enfin que j'ai appris, que j'ai développé ma manière de peindre, on va dire. Là, hop, voilà. Ici, bah pareil, hein. Là, sur le dessus, ce tissu-là, voilà, j'hésite pas trop. Hein. Donc, les plis qui sont exposés à la lumière, c'est ceux qui sont donc perpendiculaire, bah évidemment, ils prennent un vert très clair. Et après, le vert intermédiaire pour les plis qui sont parallèles à la lumière, c'est-à-dire dans le même sens que les rayons de lumière qui viendraient d'un éclairage zénithal. Vous avez compris, hein. Ça, je l'ai peint, mais en fait, non. Ça, je vais l'oublier parce que c'est normalement bleu, ce truc-là. Donc, je passe directement à ces petits plis ici. Voilà. Voilà. Là, quand même, un petit traitement de ces plis-là, c'est quand même nécessaire. Voilà. Hop. Allez, mon vert foncé, là. Pour reprendre quelques petits ombrages. Ici, un peu dilué, vous voyez, c'est juste pour apporter un peu de... Là, je cherche pas à marquer de manière assez franche l'ombrage, hein. Je cherche surtout à rajouter un peu
un peu d'obscurité, un peu de saturation vert foncé dans certains de ces ombrages. Voilà, par exemple ici, le dessous, là, tac. Vous voyez, ici. Voilà. Donc là, on a le tissu qui est fait, là, le tissu qui est fait. Bon, bah, notre verre, il est pratiquement finachou. De ce côté, peut-être ce serait intéressant d'avoir une meilleure progression de lumière ici. Donc on veut faire descendre un peu l'éclaircissement. Allez, je le fais descendre un petit peu. C'est-à-dire que je vais ramener un peu de clair encore un petit peu plus bas pour que ce soit encore un petit peu plus contrasté. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est fait. Là ici, ouais, c'est un peu... On va rapporter un peu de vert clair quand même. Voilà. Non, ça, il faut que ce soit vert foncé avec peut-être une petite reprise de l'éclaircie parce qu'on a le tissu qui rebique un petit peu, donc qui reprend un peu de lumière, on dirait. On va dire, si on veut être précis. Après, c'est sans fin, hein. On peut aller très loin dans le délire. Hein. Allez, je me prends une pointe de noir. Non, vous savez ce qu'on va faire? On va faire l'inverse. On va prendre du rouge avec du vert. Pour aller chercher un peu des ombrages là, notamment dans les manches. Voilà, ça fera des ombres colorées, c'est plus intéressant. Donc là, j'ai mélangé dans mon vert foncé, j'ai ajouté une pointe de rouge. De mon rouge là, du corps de l'araignée. Donc déjà, ça fait un rappel avec le même ombrage que ce que j'ai utilisé en dessous. Et en plus, ça fait des ombres colorées, qui sont pas inintéressantes, qui sont un peu teintées. Donc ça a toujours un peu plus d'intérêt qu'une ombre verte, purement verte. Ça ajoute un peu de surprise. Alors l'œil forcément ne le voit pas, en tout cas ne le présage pas, mais c'est toujours assez intéressant, vous voyez. Si vous regardez bien la couleur que je pose, là je ne sais pas si la caméra est suffisamment de bonne qualité pour s'en rendre compte, mais c'est une ombre colorée qui tient un peu vers le rouge. Voilà. Allez, ce qu'on fait, on va maintenant prendre notre vert très clair et on va monter encore en éclaircie en rajoutant un petit peu. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Quelque chose qu'on a sur notre palette qui pourrait éclaircir ça. Eh ben, voilà, on l'a. Ça. Palette réduite, peu de couleurs. Je pioche dans ce que j'ai. Ça marche. Allez, en avant Guingamp. Je me fais un petit jus de vert clair. Donc de mon vert clair avec cette couleur là pour obtenir un vert encore un peu plus clair. Et là je vais venir taper quelques tout petits points d'éclaircie un peu à droite à gauche. Et puis on aura déjà pas mal bien peint et on va arrêter là les copains. On aura traité un beau vert. Hein. Et après soit en live soit de mon côté ben, je ferai la suite. Mais regardez, voilà, je monte encore un peu mon vert là, ici. Pof. Donc un vert encore un peu plus clair, voilà, que je vais réserver à certains petits volumes, ici, 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 et ici, voilà, passe pas mal, est-ce que ça passe bien? Est-ce que ça passe bien? Oui, ça a l'air, donc je refais pour confirmer, hein. Donc j'en mets une couche quoi. Comme je le dis souvent, un coup ça suffit pas, s'en faut plusieurs, souvent plusieurs avant d'atteindre le résultat escompté, hein. C'est rarement en un coup que hein. Hein, mon cœur. Donc voilà, hop. Bon là c'est bon, je vais refaire ici. Un petit ici. Voilà. Là, ici, pareil. Ici, là, où c'est que j'ai de la lumière qui revient, là et là. Hop, hop, hop. Voilà, ici par exemple.
Voilà. Tiens, le dos, je l'avais pas trop fait, le dos. Mais remarque, après, le dos, il est sous l'ombrelle, donc ça aurait peut-être pas trop de sens de trop l'éclaircir. Il y a ceux-là que j'ai pas trop traité, vous voyez, que je vais traiter là maintenant. Donc. Hop, hop. Et il y a surtout ceux-là, là. Ici, voilà, bien clair. Pof, pof, pof. Voilà. Est-ce qu'on tente de le remonter encore un peu, voir ce que ça pourrait donner? Ou ce serait trop? On teste. On teste. Non, on peut y aller. On peut y aller. C'est assez juste. C'est assez juste. Voilà la progression sur cette manche. Voilà. Et si je m'ajoute un peu d'éclairage ici? Tiens. Je me fais une ombre colorée un petit peu rouge là sur le bas. Là. Ça marche ou pas? Ouais, ça fait un peu artificiel. Par contre, ici, ça peut peut-être être intéressant. Ouais, pas mal ça. Avoir un peu d'intérêt ça. Voilà, ça fait une ombre colorée. Pourquoi pas? For what? Et oui, on parle anglais. On parle anglais les copains. On parle là. Là ici. Là, là. Bon, bah voilà. On a notre progression du vert qui est assez correcte là sur cette manche là. Ici. Si on voulait être un peu plus précis, on ferait quand même ça normalement. Voilà, c'est plus juste de rajouter cette petite touche là. Voilà, là on est plus juste ici. Bon, et ben voilà, voilà où les copains. On a quand même un peu avancé sur ce vert. Bon, là, quasiment fini. Hein. Les travaux que j'ai fait là en vert, vous voyez, c'est un travail après je peux reproduire sur le corps de l'araignée. Le rouge, voilà, on a notre col là qui est dessiné, c'est pas mal. Hop, hop. En séchant, ça va un petit peu s'estomper, ça, mais on peut déjà. Hop. Ouais, ça marchouille, ça marchouille, ça marchouille. Là pour aller chercher ces petits creux là. Voilà. On peut remonter ici un peu là. Voilà, pas mal, pas mal, pas mal. Après il y a ces petits trucs là en couleur, je sais pas trop ce que ça va donner, on verra, parce que j'ai l'impression qu'il y a des petits colis fichés, des machins qui viennent se greffer. Écoutez, je sais pas si je les ferai nécessairement par rapport au temps que je peux consacrer à cette peinture là, parce que c'est une commande. Je vais voir, ça dépend ce que le client veut, parce qu'on est sur un deal assez particulier, c'est à dire je prends des photos à différentes étapes et je lui dis ce qu'on pourrait entre guillemets atteindre en poussant encore un peu, et si ça le branche il me dit allez bingo, et je peins du coup plus longtemps dessus, donc c'est un peu plus cher, mais pour un résultat encore plus poussé, évidemment. Voilà. Vous voyez comme la lumière vient se poser assez correctement, et encore le reste n'est pas détouré, donc ça manque de lisibilité, mais si le reste est détouré, je pense qu'on va voir que ça fonctionne tout ça assez bien. Donc retourner la lumière, donc ici pas de raison qu'on soit avec quelque chose de creux.
mais qui soit ombré. Alors voilà, donc l'idée c'est de se dire, c'est pas parce que j'ai un creux que j'ai de l'ombre, ça dépend comment ce creux est situé. Parce que s'il est en prise de lumière directe, eh ben, un creux, eh ben, il prend de la couleur. Voilà, tout simplement. Bon, eh ben, c'est bon, on a traité tous nos petits reflets là. Voilà, donc ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Allez, je me refais une petite lichette ici. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Des questions sérieuses, j'entends bien, hein, évidemment. Parce que je vais arrêter dans quelques minutes. Comme ça, j'y réponds. Et on se dit à la semaine prochaine, les copains. Tout simplement. Tout simplement. Un peu d'ombre colorée ici. Ça ne mange pas de pain. Il est beau ce vert Caliban là. Il est profond, il est pas mal. Bien. Il permet de... d'avoir d'assez belles... Ouais, c'est assez joli. J'aime bien ce vert profond. Alors... Je regarde un peu vos questions. Caliban est un personnage de fiction de la pièce de théâtre La Tempête de William Shakespeare. Il s'agit d'un personnage monstrueux et vil, un peu comme moi, et esclave du mage Prospero. C'est pas une boîte de nuit, Prospero ? Ah non, c'est le Prosper. Le Prosper. Et fils de la sorcière Sycorax. Allez, merci tout le monde pour la bonne soirée, semaine prochaine. Ben, bonne soirée, on va se quitter. De toute façon, vas-tu éclaircir encore ton vert clair sur les parties les plus hautes de la figurine? Car en termes de lumière, ton vert le plus clair est le même en haut et en bas de la figurine, si j'ai bien. Alors, ah, tu veux dire que ce vert clair-là est le même ici, qui est le même ici? Non. Alors, si tu veux, c'est la même, je comprends ce que tu veux dire. C'est la même clarté, effectivement, de clair ici que d'ici, que d'ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'exposition, elle est assez similaire en prise de lumière. Et qu'il ne va pas y avoir une grosse différence. Alors, si j'étais vraiment logique, en fait, l'ombrelle ici, je pense qu'on pourrait effectivement arrêter d'éclaircir vers là. Bon, bref. Mais au-delà de ça, le vert clair, effectivement, que j'utilise, il est le même là, il est le même ici, il est le même là. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur la partie haute de la figurine. Parce que ça me permet d'avoir de la lisibilité sur le fait qu'il y ait une manche, deux manches, trois manches. Donc c'est pour ça on en avait parlé, tu sais, en matière de la lumière, elle sert aussi à reproduire les réalités, mais aussi, de manière artistique, à gagner en lisibilité. Donc je le place ici, effectivement, pour gagner en lisibilité. C'est pas complètement faux, parce que ça a la même exposition. Donc c'est pas parce que c'est un petit peu plus bas que ça va pas prendre la lumière. Par contre, si tu regardes bien, ce vert clair-là, je ne l'ai pas travaillé ici. Exemple, tu vois, ce volume-là, là, ici. Il aurait tendance à reprendre de la lumière. Donc je pourrais effectivement normalement le travailler avec un vert un peu plus clair, retravailler les volumes. Ici pareil, non je ne l'ai pas fait, mais ici pareil, tu vois, je pourrais remettre en valeur un peu ces volumes-là parce que c'est les plis. Mais comme ils sont situés sur la partie basse de la figurine, ces plis-là, si tu veux, je ne les travaille pas, ou moins, en tout cas, très peu. Tu vois que je vais les ombrer, je vais ramener des jus de vert. Bon là je ne vais pas le faire ici, mais là tu vois, je ferai un truc un peu dans ce genre-là, tu vois. Pour plutôt amener, tu vois, un peu de l'obscurité ici. Pourquoi? Parce que c'est le bas de la figurine ici. Donc je vais même encore le faire disparaître, c'est-à-dire que je vais même plutôt être sur un truc un peu dans ce genre-là, si tu veux. Tu vois, un peu avec du rouge, quasi, et ça se mélange du coup quasiment avec le rouge utilisé pour traiter l'araignée, tu vois. Alors c'est intéressant parce que ça fait une progression, ça suggère en plus qu'on ne sait pas trop qu'on commence le tissu, qu'on commence les pattes, au visuel global. Donc là on est plus dans le choix artistique si tu veux, dans ma manière de faire. Mais tu vois, je fonds ces deux trucs là, dessous, comme si c'était un peu la même zone avec un peu la même couleur. Il restera mon vert par transparence, mais je fais disparaître un peu mon tissu au fur et à mesure que je vais vers le bas pour le fondre à la fois avec le rouge des pattes de l'araignée et aussi pour qu'on l'oublie un peu et qu'on concentre l'éclaircie vers le haut parce que je veux attirer mon regard, moi, par exemple sur ses mains, sur le visage de la figurine qui sera très clair, donc qui de toute façon va attirer. Mais voilà, donc c'est aussi pour orienter la lisibilité de la figurine vers le haut. C'est pour ça qu'on va avoir tendance à avoir des volumes clairs vers le haut.
Mais tu as raison, j'ai utilisé un verre ici, qui est le même ici, qui est le même ici, qui est le même ici. Voilà. Mais parce qu'artistiquement, je trouve ça intéressant, effectivement, qu'on voit bien qu'on a une manche, deux manches, trois manches. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Comment ça va par ici? Mais très bien, c'est quoi ton pinceau, monsieur? Alors, mon pinceau, c'est quoi? C'est un 8404 Raphaël. Voilà. Bienvenue à prendre la peinture sur figurine qui fait un... qui fait, si je ne me trompe pas, des lives aussi. Enfin, pas des lives, des vidéos. Hein, n'hésitez pas à aller voir. Super, voilà. Qui fait de la production aussi, des tutos, des choses comme ça. Tu me dis si je me trompe, hein, mais je crois que c'est... Je crois ne pas me tromper. Si je peux me permettre de compléter ta réponse à Joanne, tes zones claires sont plus larges en plus haut qu'en bas, il me semble. Donc ça oriente quand même le regard. Oui, c'est ça. Tu vois, j'en ai moins. C'est-à-dire qu'en bas, c'est des petites touches, tu vois, qui vont permettre de gagner en lisibilité. Donc ça suggère effectivement le mouvement qu'on a là. Oui, tu peux te permettre complètement. Alors ici, tout le monde peut se permettre. Peut se permettre. Tout le monde. Sans problème. Donc effectivement, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée-là d'avoir plus de clair sur les parties hautes qu'on en a en bas. C'est pour ça que d'ailleurs, si tu veux, j'ai rajouté un peu de clair ici. D'ailleurs, ça manque un peu. Je pourrais encore aller plus loin, tu vois. Je pense que l'idée là, ça va être de descendre un peu mon clair là. Ici, voilà. Je t'en fais un petit bout, mais pour te montrer l'idée générale. Donc, on quitte un peu le terrain de, on va dire, de l'idée de reproduire fidèlement la réalité, bien que, mais au profit de la lisibilité de ta pièce. C'est-à-dire que bah, c'est un choix artistique qui dit, voilà, moi je veux orienter le regard, je veux orienter la lisibilité de ma figurine dans ce sens-là. Voilà, mais effectivement, ça mériterait d'avoir un peu plus de partie claire sur le haut, là. Voilà, donc je le fais, tu vois, j'amène encore un petit peu plus de lumière ici. Voilà. Donc je rajoute encore un peu de clair sur le haut. Si j'estime que j'en ai trop fait, c'est pas grave, tu vois, je peux toujours l'éteindre avec un peu de... Hop, avec un peu de mon vert intermédiaire. Voilà. Et là, je fonctionne par filtre, effectivement, quand je fais ça. Donc du coup, bah, je peux pas trop me planter, quoi. Tu vois, l'erreur, elle est très permise. Voilà. Mais voilà, et en rajoutant ces petites touches de clair, tu vois, ça suffit. Juste des petites touches comme ça, tu vois. T'en fais une là, une là, une là, une là. Voilà, un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici. Là, ici, tu attires le regard vers le haut. Voilà. C'est-à-dire que tu dis au spectateur, indirectement, tu imposes une lecture, voilà, qui va l'amener comme un fléchage, tu vois, comme un code de la route. Tu crées des signaux d'alerte par ces contrastes, ces valeurs-là, pour attirer l'attention vers le haut de la figurine. Voilà, voilà. Voilà, et donc tu vas, bah, tu vas concentrer, tu vois, sur ce drapé-là. Tu vois bien qu'en bas, l'attention, on l'attire pas. Je suppose que personne n'est concentré sur la partie basse, à la fois parce que c'est pas celle que je travaille, mais tout simplement parce qu'elle disparaît, tu vois. Elle est dans le noir. Donc je la fais oublier, cette partie-là. Par contre, au fur et à mesure qu'on vient monter ici, tu vois, là, par contre, je commence à traiter mes lumières. Je les fais remonter. Voilà. Bon, eh bien, alors c'est quoi ma lampe? C'est une Daylight assez large, plutôt lampe type couturière, assez large. Merci les copains, ça m'aide beaucoup. Ben, c'est le but, Joanne. Voilà, c'est le but. Merci beaucoup pour ta réponse. Bonne nuit, Datsu. Ben, bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, tous les copains qui m'avaient suivi. Voilà, c'était encore une soirée. On a bien rigolé, on a bien pindouillé. Moi, ben, je continuerai ce Gugus de mon côté. Vous verrez, si ce n'est la progression, au moins les photos, d'accord, du résultat final de cette figurine-là. D'accord. Voilà, donc je vais reprendre un peu mon vert, travailler le corps de l'araignée, c'est le plus important, hein, le vert, le corps de l'araignée, après le reste ça va aller plus vite, c'est du détail, ça va aller plus vite, tout simplement. Mais il y a quelques petits détails encore à traiter, éclaircir un peu le bout des griffes, tout ça. Je reviens sur le pinceau, elle est ouf la pointe pour un 8404, faut vraiment que je change les miens alors. Oui, alors après moi je peins...
Je pense que j'arrive un peu à les conserver. Ouais, elle est bien cette pointe. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de chance sur les séries et tout ça. Moi, j'achète jamais par correspondance les pinceaux parce que j'ai besoin de voir la pointe. Voilà. Parce que vous pouvez acheter un 8404 et puis moi j'ai un copain à qui c'est arrivé avec le bignoté en plastique qui est pas mis, la pointe qui est pas tip top. Voilà. Moi je vous conseille vraiment d'acheter vos pinceaux en physique si vous pouvez, à moins que vous soyez vraiment sûr de votre vendeur. Voyez voilou. Et après moi je mets jamais la peinture jusqu'à la virole. Hein. C'est-à-dire que allez, 80%, 90% de mon travail, 80% du taf, je le fais avec ça. Donc un pinceau qui est un peu large, moche, on s'en fout. Voilà. Après, quand je commence à faire un peu ce que j'ai fait là, vous voyez, j'ai finalement très peu de peinture. J'ai ça. Ouais. Donc je suis très très peu chargé. Et je viens faire tout, tout, tout. Je trempe aussitôt dans l'eau. Je laisse pas sécher. Je refais ma pointe sur mon sopalin. Comme ça. Là. Petit coup dans la bouche. Et voilà. On a une belle pointe. Bon. Après, ça n'empêche pas que on peut avoir. Un pinceau tout pourrave dans une marque qui a priori fait des bons pinceaux. Peut y avoir aussi un problème sur la série et tout ça, tout ça. Bonne nuit à tous, bonne nuit Christian, merci encore d'avoir assisté à ce live bah, comme tous les jeudis pour un peu surveiller. Je sais que c'est compliqué parce que voilà, y a de sacrés loustiques, j'imagine. Et à la semaine prochaine. Voilà, bisous bisous tout le monde, passez une excellente soirée les copains, enfin soirée. Peut-être dodo pour vous. Et à bientôt.